Je vous propose de vous installer, s'il vous plaît. S'il vous plaît. On y va ? Non, monsieur. Non, non, il y a trois. S'il vous plaît, vous vous mettez à votre place, on va commencer, s'il vous plaît. Monsieur Le Droumaguet. Alors, je fais l'appel. Bonsoir à vous toutes et tous. L'appel donc des présents, Bruno Pirilloux est présent, Michel Noaille, Martine Soavi, Oumar Dramé, présent, Elsa Touré, Rénal Jourdain, Assa Doucouré, je n'ai pas encore vu, Assa n'est pas arrivée. Alors je ne vous vois pas forcément, Frédéric Piot, je l'ai vu. Présent, Sophia Louz, Oscar Segura, Fadila Chourfi, Pierrick Gautreau, Italia Riggio, Sylvain Renard, Pascal Prigent, Hichem Boukouba, Françoise Lopez, Michel Noy à son pouvoir, Frédéric Bourges, Hélène Pavamani, a donné son pouvoir à Sylvie Dayani, Jacques Picard, Sylvie Dayani, Monia Aïssa, Clotaire Bonzi a donné son pouvoir à Madame Djellad, Daniel Leguet, Alama, présent, Hervé Jacques a donné son pouvoir à Pierrick Gautreau, Francis Arnoux Laurent, présent, Claire Jubin, présente, Diana Dos Santos, présente, Fatima Lallemand, présente, Maxime Podolac, présente, Clémence Bigarnet, souffrante, m'a donné son pouvoir, Benjamin Le Droumaguet, présent, Jenna Kinkela, est-ce que je la vois pas, Jenna, elle n'est pas encore arrivée, je ne la vois pas, Animalite, présente, Pascaline Vandenen, présente, Sylvie Capron, pouvoir, très bien. Jean-François Bell, présent. Éric Breton, présent. Volcan, pouvoir à Monsieur Breton. Samira Ketfi, présente. Alexandre Marin, présent. Régis Caudron, présent. Et Jean-Luc Raymond, présent. Je vous remercie. Donc la séance est ouverte. Je propose comme ça que Sophia Louz soit secrétaire de séance. Merci Sophia. Juste avant de faire approuver le compte-rendu, nous avons appris hier soir malheureusement le décès de Monsieur Jamel Berkati, que vous connaissez toutes et tous. Il travaillait depuis des années à la mairie de Corbeil-Essonne. C'est un décès soudain qui a évidemment ému tous les élus que nous sommes, encore plus sûrement le personnel de la commune, puisque M. Berkati donc, travaillait notamment à l'accueil de l'ancien Darblay, du nouveau centre administratif depuis près de 2 ans. Et donc, personne ne s'attendait à cette triste nouvelle. Je crois que, vu les messages reçus par la famille, j'ai rencontré son frère ce matin en mairie, on peut être certain, la famille, ses proches peuvent être certains de l'affection qu'il portait à notre collègue. Les obsèques, je crois, auront lieu vendredi. Et donc,
je souhaite vraiment que nous fassions voilà, une minute de silence pour notre collègue décédé. Je vous remercie. Donc, je commence donc par faire approuver le compte-rendu du conseil municipal qui s'était tenu le 12 avril 2021. Y a-t-il des remarques, chers collègues, sur ce compte-rendu? Non. Donc, je le fais approuver. Qui est contre? Qui s'abstient? Alors, Monsieur Bell tape du poing sur la table, qui veut dire qu'il faut... Alors, qui s'abstient? Madame... Voilà, 4 abstentions du côté de Monsieur Bell. Du coup, avec les pouvoirs, 6 pour vous. Et qui est pour? Voilà, l'ensemble des autres élus. Je vous remercie. Comme chaque conseil, nous commençons donc par... Monsieur le maire. Pardon? Oui? Si je peux me permettre, monsieur le maire, chers collègues, je voudrais en préambule de ce conseil municipal... Voilà, attendez, on va juste... se mettre d'accord sur une règle, parce que sinon, on peut intervenir sur tous les sujets possibles. Est-ce que ça a lié... Oui. Ça a lien avec oui. le fonctionnement de ce conseil? Allez-y. Vous demandez si nous pouvons voter... aujourd'hui ou lors du prochain conseil municipal, une motion de soutien aux salariés de l'imprimerie Elio Corbeil, licencié par vos amis de la CGT qui s'étaient engagés à ce que je vous propose... 45 emplois. C'est aujourd'hui que 22 salariés syndiqués qui seront conservés, laissant sur le carreau plus d'une trentaine de salariés, et ce sans respecter les engagements pris concernant le règlement des primes et dans des conditions de licenciement inacceptable. Quand on connaît la manne financière récupérée par la SCOP lors de la vente des terrains, je le rappelle, 15 millions d'euros, vente que vous avez, monsieur le maire, d'ailleurs, grandement favorisée, en ne faisant pas jouer votre droit de préemption, on est en droit de se poser la question à quoi vont servir ces 15 millions d'euros, d'autant plus que le redéploiement de l'entreprise que vous aviez promis dans notre ville va se faire sur le territoire en Seine-et-Marne. Il est de notre devoir de soutenir ces salariés qui ont jusqu'au bout œuvré pour maintenir dans notre ville cette imprimerie qui fait partie de notre patrimoine industriel. Comme vous êtes un grand respectueux, monsieur Raymond, des règles démocratiques, je vous propose que si vous souhaitez qu'une motion soit déposée, vous nous l'envoyez. Vous n'avez pas découvert le problème d'Elio Corbeil ce matin, d'accord? Donc vous nous envoyez une proposition de motion. Moi, je m'engage à ce qu'elle soit toute soumise au vote. Donc ce sera pour le prochain conseil municipal. Très bien. Voilà, il n'y a pas de problème. On vous a laissé la lire dans notre grande mansuétude. Et donc, et voilà, si les salariés souhaitent être reçus par le maire, qu'ils en fassent la demande, il n'y aura pas de problème. Je les ai déjà reçus il y a quelques mois. Et donc, s'il faut les recevoir, on les recevra. Hein. Et donc, voilà, on va respecter, je crois qu'on est assez large sur le mode de fonctionnement démocratique de cette assemblée. Vous avez remarqué qu'il n'y avait pas de pendule d'un mètre de long pour vous dire vous coupez la parole au bout de quelques minutes. Donc voilà, respectez le minimum de règles, monsieur Raymond, de sorte que on n'ait pas à chaque fois des interventions où on aborde des sujets qu'on souhaite comme ça. Merci. Monsieur Renard, vous allez nous faire le point sur les décisions du maire prises dans le cadre de ces délégations. Alors, comme à chaque conseil, le point 1.1 traite de l'information sur les décisions du maire prises dans le cadre des délégations d'attribution accordées par le conseil municipal en vertu de l'article L2122-22 du Code général des collectivités territoriales. Donc, vous avez, comme d'habitude, la liste des décisions prises qui est annexée. Et il est dès lors proposé au conseil municipal de prendre acte
de cette information? Est-ce qu'il y a des questions sur ce point? Monsieur Bell. Oui, non, je n'ai pas de remarques extraordinaires à faire sur votre document de décision, sauf une chose. Dernière décision, donc l'achat de sel. Alors je regarde donc Sallanches. Pour ceux qui ne savent pas où est Sallanches, c'est une ville de Haute-Savoie, donc en plein cœur des Alpes. Donc nous allons acheter du sel à Sallanches pour nos besoins, pour nos besoins de corbeiller sel. Donc je me disais, mais regarde, quel est le trajet que le sel effectue? Alors ce n'est pas. Ah, ce sel donc part de Marseille ou de Vendée ou de voilà, démarrer Sallanches de France, sans doute, j'espère. Et puis il va à Sallanches, puis de Sallanches, il va revenir à Corbeil-Essonnes. Bref, tout ça pour dire quoi? Pour dire que, encore une fois, dans les appels d'offres, je vous invite à introduire des notions des critères environnementaux beaucoup plus importants. Et je pense notamment comme critère environnemental beaucoup plus important, celui du transport, qui me paraît être le plus facile à mettre en œuvre, le plus évident en termes de discrédit environnemental, et celui qui pourrait être le plus facile à mettre en œuvre, donc dans notre cas présent. Voilà, c'est tout. Oui, il n'est pas sûr que le sel suive le parcours que vous venez d'indiquer, c'est pas certain, parce que c'est le siège de la société. Deuxièmement, il s'agit bien entendu d'un marché, donc nous avons respecté les règles des marchés publics. Par contre, il est vrai que de plus en plus, nous souhaitons intégrer dans les marchés des clauses environnementales. Nous souhaitons que les aspects environnementaux pèsent plus dans les choix. Et de ce point de vue-là, nous sommes d'accord et nous y travaillons. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, Madame Garcia. Oui, Monsieur Renard, s'il vous plaît, si vous pouviez m'éclairer sur votre ligne concernant l'acceptation de la proposition faite par la Caisse d'épargne Île-de-France pour la mise en place d'une ligne de trésorerie interactive de 4 millions d'euros sur 364 jours. Il s'agit, comme son nom l'indique, d'une ligne de trésorerie, c'est-à-dire que nous avons de l'argent qui rentre et de l'argent qui sort, et à certains moments, nous avons besoin de payer des fournisseurs alors que nous n'avons pas les fonds en caisse, et donc nous avons la possibilité d'emprunter sur une courte durée, c'est pour ça que ce n'est pas un emprunt et une ligne de trésorerie, nous avons la possibilité d'emprunter pour quelques jours ou quelques semaines une somme qui nous permet de répondre à nos engagements. C'est l'habitude de ce qu'on appelle une ligne de trésorerie dans les entreprises ou dans les collectivités locales, et c'est la Caisse d'épargne d'Île-de-France, un partenaire habituel, qui nous permet d'avoir cette ligne. Voilà, merci. Alors, Madame Kitfi. Oui, je voudrais aussi rebondir sur la question de la ligne de trésorerie interactive. Juste si vous pouviez nous éclairer sur le taux qui est appliqué sur cette ligne de crédit court terme. Je ne l'ai pas là présent, mais je vous le donnerai rapidement. Enfin, il suffit de demander au service. Peut-être ils peuvent me le dire maintenant. Honnêtement, je ne l'ai pas de tête. Là, on vous le donnera. Monsieur Breton, la même question. Très bien, on vous communiquera le taux. Hein, je crois que toutes les communes ont une ligne de trésorerie, voilà. Donc, vous aviez dû en avoir une il y a 10 mois aussi. Hein, voilà. Très bien, pas d'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, nous constatons que le conseil municipal a pris acte. Merci. Monsieur Renard. Alors, Martine Soavi, je crois, en lieu et place d'Hélène, qui ne nous rejoindra que demain, sur l'inscription de la commune de Corbeil-Essonnes à la convention chapeau de l'ORT, l'opération de revitalisation de territoire de la communauté d'agglomération Grand Paris Sud, Seine-Essonne, Sénart.
petite blague. Il n'y avait pas de batterie au micro, Madame Soavi. D'accord, merci. C'est bon. Bonsoir. Donc, ce soir, nous sommes appelés à voter l'inscription de Corbeil-Essonnes à l'aquaversion-chapeau d'opération de revitalisation du territoire de la commune d'agglomération Grand Paris Sud, Sénart-Essonne. Le 2 octobre 2018, la commune de Corbeil-Essonnes a signé avec la communauté d'agglomération Grand Paris Sud, Seine-Essonne-Sénart, l'État, l'Agence nationale de l'habitat, la Caisse des dépôts et consignations, Action Logement, la Société publique locale des territoires de l'Essonne et la Société d'économie Essonne Aménagement. On va te donner un autre micro parce que je suis désolé. Hein. Qu'est-ce qu'il a ? Donc, la Société d'économie mixte Essonne Aménagement, une convention cadre pluriannuelle dite Action Cœur de Ville. Cette convention avait pour objet de décrire les modalités de mise en œuvre d'un programme de requalification sur le territoire de Corbeil-Essonnes. Les différentes parties s'inscrivant dans cette démarche s'engagent réciproquement pour une durée de 6 ans et demi maximum, à savoir jusqu'au 31 décembre 2024. Pour la commune, ce dispositif national a permis de flécher les enjeux de son cœur des villes, avec toute une série de rénovation, valorisation du patrimoine architectural, revitalisation du commerce de proximité, réaménagement de l'espace public, animation des centres anciens, restructuration de l'offre de stationnement, développement de zones partagées. Mais pour aller plus loin, la commune a décidé de s'inscrire dans une étape supplémentaire au dispositif Action Cœur des Villes en mettant en œuvre une opération de revitalisation de territoire, dite ORT, portée par Grand Paris Sud. La commune avait déjà pris cette direction en février 2020 au travers de la signature d'un premier avenant à la convention cadre Action Cœur de Ville, valant ORT. Néanmoins, pour valider auprès de l'État ce passage en ORT, la communauté d'agglomération GPS se devait de délibérer également en créant une convention ORT dite chapeau, comprenant Évry-Courcouronnes et Corbeil-Essonnes, les deux villes de son territoire inscrites au dispositif Action Cœur de Ville. L'ORT intercommunale qui a été validée hier soir au Conseil communautaire et le sera ce soir lors du Conseil municipal, permettra d'inscrire comme première action pour Corbeil-Essonnes la mise en place d'une nouvelle OPA-RU, redynamisation urbaine, visant à lutter contre l'habitat indigne et dégradé. Il faut savoir que le parc privé de centre-ville représente plus de 63% du logement en centre-ville. Donc la compétence habitat étant d'intérêt communautaire, la signature de cette convention garantit une meilleure prise en charge par GPS des coûts financiers liés à la lutte contre l'habitat indigne et dégradé. Cette convention permettra à la ville de Corbeil d'y intégrer au fur et à mesure des actions nouvelles. Donc, je vous propose quelques intérêts pour la ville à entrer dans l'ORT. Les avantages sont tant sur le volet commercial que sur le volet foncier, mais aussi le volet aménagement ou le volet habitat. Elle nous permettra de bénéficier d'une série de mesures facilitées, des exonérations, des droits supplémentaires et des aides fiscales, et de nous appuyer sur des partenaires financiers solides comme la Banque des Territoires, que seul le passage en ORT autorise. Donc ce passage est pour la ville une occasion particulièrement intéressante qui ne vient pas minorer les effets attendus de l'opération Cœur de Ville, mais bien de le compléter et la renforcer. Donc je vous invite à approuver cette délibération. Y a-t-il des questions ? Oui, Monsieur Raymond. Oui, excusez-moi. Dans cette convention est abordé le problème de redynamisation de notre cœur de ville avec, entre autres, la réhabilitation et le réaménagement de la place du Comte-Aimont, notre place du marché. Vous avez apparemment déjà ficelé votre projet avec la suppression de l'ensemble des places de parking sur cette place. Depuis un an, vous nous expliquez vouloir concerter avant de choisir. Mais vous avez dû oublier de le faire avec les commerçants, puisque non seulement ils n'ont pas été concertés sur le sujet, mais ils ont été en plus écartés de toute discussion.
Ne me dites pas que rien n'est décidé, puisque j'ai en main la délibération du Conseil communautaire d'hier actant et validant le projet. Pouvez-vous nous dire, monsieur le maire, quel parking de substitution avez-vous prévu proche de ce lieu ? Nous savons tous que le parking est essentiel pour la survie des petits commerces, et plus particulièrement des commerces autour de cette place et dans les rues adjacentes. Le commerce local est déjà en grande difficulté avec la crise sanitaire. Il est donc essentiel que vous puissiez proposer de nouvelles places de parking très proches des commerces, de proximité et accessibles à tous. Oui, on va prendre les autres questions et je vous réponds, je signe. Alors, y a-t-il d'autres questions sur cette convention ? Monsieur Breton, monsieur Bell ? Je voulais rappeler que, comme l'avait souligné Madame Souavi, que la convention cadre avait été signée le 2 octobre 2018. Elle l'avait été par l'ancienne équipe municipale présidée par Jean-Pierre Bechter. Donc, ça me paraissait important de le souligner. Oui, effectivement, cette délibération est bien dans la continuité de quelque chose qui avait été démarré en 2018. Hein, mais chacun sait qu'on n'était pas élu en 2018. Donc, voilà. Pour répondre à monsieur Raymond... Il y a monsieur Bell aussi. Ah, pardon. Oui. Donc... ce document est un document général pour l'ensemble de l'agglomération et reprend donc repositionne notre projet cœur de ville dans l'ensemble de l'agglomération. Alors ce qui m'inquiète, ce qui me gêne dans la convention chapeau, mais enfin ça va pas vous étonner, ça correspond à nos propos habituels sur l'autonomie de la ville de Corbeil-Essonnes, c'est que une fois de plus, dans ce grand document, on fusionne les projets de Corbeil-Essonnes avec ceux d'Evry, de Sénart, et des antipodes de l'agglomération, en minimisant l'importance de Corbeil-Essonnes dans l'agglomération, parce qu'on centralise toujours et on met toujours en avant la centralité de la gare d'Evry, de la mairie d'Evry, de la chambre de commerce d'Evry. De la cathédrale d'Evry et de la gare d'Evry, qui sont donc considérés comme les grands atouts de la capitale de l'Essonne qui gouverne cette agglomération. Donc ça, c'est un premier point qui me paraît toujours gênant et qui vise toujours à minimiser l'importance de Corbeil-Essonnes, d'une part parce que on la minimise physiquement et d'autre part parce que on fait passer devant, notamment la gestion du patrimoine corbeil-essonnois, on fait passer devant des enjeux de ville nouvelle, qui sont des enjeux de rénovation d'échecs urbains récents, alors que notre problématique à nous est un problème de dégradation, je dirais presque multiséculaire, d'un centre-ville qui a démontré la preuve de son fonctionnement dans le passé et qui ne demande qu'à renaître de ses cendres. Bon, c'est un peu exagéré, mais en tout cas de son potentiel. Sur le fond Corbeil-Essonnois. Donc, effectivement, moi, je suis très satisfait que l'ensemble du projet Action Cœur de Ville soit repris tel qu'il avait été projeté et que pour le cas spécifique de la place du Comte-Aimont, on ait décidé à la lumière de ce qui a été projeté dans Action Cœur de Ville de réformer la précédente opération qui avait été imaginée, la précédente opération de rénovation qui avait été imaginée pour un montant de, si je ne me trompe, de 3 millions d'euros. Donc un montant assez modique. Ce projet initial, qui était d'ailleurs porté par l'adjoint au commerce Lérault, avait pour objectif de bétonner la totalité de la place du Comte-Aimont pour en faire un immense parking encore plus important que celui qui existe, croyant que cette opération allait participer à la redynamisation du centre en ajoutant encore et toujours des automobiles dans ce secteur-là.
le projet Action Cœur de Ville, qui a été donc mis en œuvre précédemment à votre arrivée et que vous avez conservé, je vous en remercie encore une fois, donc avait lancé dès février 2020 l'idée de changer de braquet et d'imaginer enfin ce qui aurait dû être imaginé depuis bien longtemps, de piétonniser le secteur du centre-ville, ce magnifique secteur de centre-ville qui a un potentiel gigantesque à la condition qu'on le mette en valeur et qu'on le mette en valeur notamment par de la piétonnisation, comme c'est le cas dans la plupart des villes qui ont un caractère médiéval, une origine médiévale et qui sont traitées comme ça et dans la région parisienne et dans le reste de la France et qui, à chaque fois qu'elles ont été rénovées de cette façon-là, ont montré le succès qu'elles avaient, notamment en écartant l'automobile de l'hypercentre, en écartant l'automobile des lieux emblématiques de ces communes. Donc c'est ce qui est proposé à Corbeil-Essonnes, c'est ce qui est proposé dans ce projet de centre-ville, c'est ce qui est proposé, et je m'en félicite. Et pour ce faire, donc l'agglomération a accepté de mettre 3 millions d'euros de plus, 2,5 millions, 3 millions de plus, pour faire ce démarrage d'opération de piétonnisation. Je vous encourage évidemment à continuer en ce sens. Mais la rénovation du centre-ville, c'est pas seulement la place du Comte-Aimont, la rue Saint-Spire et la rue Notre-Dame. C'est un périmètre un peu plus large, beaucoup plus large même, l'ancien périmètre de la ville médiévale, et c'est aussi le périmètre dans lequel se trouve l'usine Hélio Corbeil, qui est revenue en actualité il y a quelques jours, le 21 mai notamment, par un article du Parisien qui fait écho du désarroi des salariés de cette entreprise, des 60%, 70% des salariés de cette entreprise qui vont se retrouver sur le carreau parce que la direction de cette entreprise a fait un choix et que ils sont écartés, ils ne font pas partie de ce choix. Si je rebondis sur cet article du Parisien, en fait je rebondis sur cet article du Parisien pour vous parler de toute autre chose, pour vous parler en réalité de l'urbanisation de ce terrain. Et cet article et cette situation particulière des salariés de l'entreprise rappelle que ce terrain a été vendu 14 millions ou 15 millions d'euros, ce qui est une somme extraordinaire pour ce terrain, et je vais vous dire pourquoi, et que ce terrain a été vendu 15 millions d'euros pour permettre à cette entreprise, à ce qu'il en reste, de quitter la ville de Corbeil-Essonnes pour se reconstruire ailleurs. C'est ce qui redit en nous rappelant que cette entreprise va se recréer en Seine-et-Marne, grand bien lui fasse, sauf que pour qu'elle puisse se restaurer en Seine-et-Marne, il faut que les terrains aient été vendus 15 millions d'euros pour lui permettre d'avoir un plan de financement satisfaisant ailleurs, qui intéressera donc une commune de Seine-et-Marne que je félicite de la réception de cette entreprise. Mais je ne comprends toujours pas pourquoi les Corbeil-Essonnois doivent faire les frais pendant les 2 ou 3 siècles qui viennent des 1200 logements qui vont être nécessaires de construire pour compenser la vente de ces terrains à 15 millions d'euros. Alors je reviens, je dis 1200 logements. J'espère que ce ne sera que 1200 logements, mais quand j'entends Monsieur le maire nous dire « mais il ne faut pas avoir peur des immeubles de 8 étages que l'on pourrait construire en centre-ville, il ne faut pas avoir peur des 3500 demandes de logements dont Corbeil-Essonnois sont les auteurs, semble-t-il, pas seulement les Corbeil-Essonnois d'ailleurs j'imagine, dans la branche logement social, et qu'il ne faut pas avoir peur de la densification ». Eh bien, je m'inquiète même sur les 1200 logements, parce que 15 millions d'euros, il faut les rentabiliser, ces 15 millions d'euros. Et 15 millions d'euros, eh bien, je ne suis pas sûr que les 1200 logements que nous estimons
nécessaires pour rentabiliser soient suffisants. Et je répète ce que je vous ai dit, monsieur le maire. Je comprends que vous n'ayez pas préempté à 15 millions d'euros. Je le comprends très bien. C'est une somme extravagante. Une somme extravagante pour ce terrain de 3,9 hectares. 3,9, soyons précis. C'est une somme extravagante. C'est une somme qui est 3 fois, 4 fois supérieure au prix de vente au mètre carré ou au kilomètre carré des terrains de la papeterie, des projets de terrain de l'hôpital que vous avez dans les cartons, etc. Donc c'est un prix extraordinaire, extravagant. Et ce prix extravagant, il ne dépend exclusivement que de la capacité que l'entreprise qui a acheté, que l'investisseur qui a acheté aura de construire ou non des mètres carrés d'habitation sur ce terrain. Et cette capacité de construction, c'est la mairie, c'est le plan local d'urbanisme et c'est précisément le maire qui préside à la destinée de ce plan local d'urbanisme qui le décide. Donc, vous avez aujourd'hui, ces terrains n'ont pas de capacité de construction autre que industrielle. Pour que les promoteurs qui ont acheté ces terrains aient accepté de les acheter à ce prix-là, a fortiori, il a bien fallu que votre prédécesseur et vous-même consentiez à annoncer ou à accepter un taux de constructibilité sur ces terrains pour que ce prix de 15 millions d'euros puisse être utilisé pour, si je ne me trompe, une vente, c'est vous qui nous l'avez dit la dernière fois, une vente sans conditions suspensives. C'est-à-dire avec, pour les promoteurs qui ont acheté, la certitude de devoir payer les 15 millions d'euros d'une part, et donc de pouvoir les rentabiliser. Alors que, encore une fois, demain vous allez nous proposer des modifications de plan local d'urbanisme dans les mois qui viennent. J'ai eu les oreilles qui sifflaient un peu, on m'a dit que vous aviez lancé des révisions, ce qui est tout à fait normal, hein, des révisions sur le plan local d'urbanisme. Donc je suppose que vous allez nous proposer des choses dans quelques temps et que ces choses qui vont être proposées vont notamment concerner cette zone de l'imprimerie. Donc voilà, vous avez le choix, c'est entre vos mains, monsieur le maire, vous avez le choix. Vous pouvez décider d'une super constructibilité qui permettra à cette entreprise, à ce terrain d'être rentabilisé à hauteur de 15 millions d'euros, ce qui suppose donc que l'entreprise Helio, la SCOP, bénéficiera de ces 15 millions d'euros pour aller se reconstruire ailleurs. Soit vous fixez des taux de constructibilité qui nous paraissent cohérents avec la rénovation du centre-ville, avec les besoins de la ville de Corbeil-Essonne, avec la rénovation du grand ensemble allant de la gare à la cathédrale, on va dire, et qui, en cohérence, et dans ce cas, eh bien, ce terrain ne peut pas valoir 15 millions d'euros, il ne peut valoir que maximum 5 millions d'euros. C'est un chiffre qui aurait dû être le chiffre raisonnable, normal, dans une situation normale de vente de ce terrain. Merci. Alors, monsieur Raymond. Oui, monsieur le maire, pour compléter ce que vient de dire monsieur Bell, bien évidemment, la ville ne pouvait pas préempter à 15 millions d'euros, mais vous auriez pu faire une offre, aller devant les tribunaux et vous appuyer sur une expertise des domaines qui aurait donné un prix allant de 4 à 5 millions d'euros. Ainsi, la ville aurait pu acquérir ce terrain en plein cœur de ville pour 4 à 5 millions, sans faire un cadeau de 15 millions à la CGT. Est-ce
Je laisserai le soin au maire de répondre à tout ce qui touche aux questions des LIO, puisque vous l'avez interpellé directement. Je me contenterai de répondre sur l'action Cœur de Ville et les questions que vous avez posées par rapport au projet ficelé et au projet et au fait que la ville soit complètement avalée par Évry. Vous vous félicitez du fait que nous ayons repris Cœur de Ville. Vous devrez vous féliciter bientôt du fait qu'on a réussi Cœur de Ville. Parce que aujourd'hui, enfin, quand en juillet nous avons rouvert le dossier Cœur de Ville, nous avons pu constater le manque d'ambition, et là je le dis, le manque d'ambition de l'équipe précédente pour effectivement réaliser Cœur de Ville, puisque la seule ambition était de racheter des commerces pour soi-disant revitaliser le centre-ville. Une absence totale d'ambition et aussi une absence totale de volonté de réfléchir aux besoins, de réfléchir à ce que pourrait être le centre-ville qui va effectivement de la Nationale 7 jusqu'à la place Saint-Honoré, et comment on pourrait vivre ce centre-ville. Jamais, à aucun moment, puisque j'habite Corbeil depuis longtemps, je n'ai été interrogée sur ce que j'attendais du centre-ville. Jamais, jamais, jamais. Donc là, vous ne pouvez pas vous féliciter qu'on ait repris Cœur de Ville, vous devriez vous féliciter du fait qu'on ait démarré Cœur de Ville. Sur le travail, je reviens sur le travail qu'ont effectué Hélène Pavamani, Madame Berthet et Madame Vernet et de nos autres élus, qui ont fait un travail remarquable et qui a consisté aujourd'hui à réfléchir à un cœur de ville, à deux centres-villes qui feraient un centre-ville. Et effectivement, tout est englobé. Ce n'est pas simplement un périmètre, c'est toute une ville qui est concernée par ce qui va se passer là. Et monsieur Raymond, je m'étonne du fait que vous disiez que le projet est ficelé. Je ne sais pas ce que ça veut dire qu'un projet est ficelé, moi. Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a une enquête qui a été lancée avec 350 retours. On a été obligé à un moment d'arrêter cette enquête pour qu'on puisse analyser les besoins des habitants. Les commerçants ont été interrogés. Ceux qui vous disent qu'ils ne l'ont pas été, c'est que ce jour-là, ils étaient fermés, sans doute, et qu'ils ont effectivement répondu. C'est ignorer le fait qu'il y ait une retransmission d'un film qui a été fait sur ce que ça attendait les habitants de Cœur de Ville. Vous pourrez le voir demain soir, je crois, à 18h. Mais pour cela, il faut effectivement s'intéresser aux choses. Il faut venir à la commission urbanisme. Ça fait deux fois que vous n'y venez pas, personne. Donc, sans s'excuser, évidemment. Donc, ça, c'est quand même un problème. C'est aussi là qu'on discute des choses. Donc, dire que le projet est ficelé, ce n'est pas tout à fait vrai. On continue à travailler. On continue à faire des propositions. Mais pour que les gens donnent leur avis, il faut quand même qu'il y ait des bases. Alors, oui, on réfléchit à l'absence de la voiture, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'endroit où se garer. Hein. Il faut nous laisser aussi le temps de faire. Vous avez eu 25 ans pour ne pas le faire. Laissez-nous au moins quelques mois pour le faire. Donc ça, c'est important de le signaler. La ville avalée par Évry, je crois, Monsieur Bell, qu'on participe au même conseil d'agglo, reconnaissait le travail des élus communautaires qui, à chaque fois qu'ils ont l'impression que Corbeil est oublié, interviennent. C'est comme ça que M. Segura a obtenu qu'on s'occupe du tourisme à l'agglo, ce qui n'est pas rien. Et oui, 4,5 millions ont été donnés pour la place, enfin donnés, non pas donnés, mais ont été votés pour la réalisation de la place du Comte-Aimont au lieu des deux. Ça ne veut pas dire qu'on est englobé, ça veut dire qu'on compte. Ça veut dire qu'aujourd'hui, effectivement, la place qu'on occupe à l'agglo fait qu'on est reconnu et que Corbeil retrouvera sa place de deuxième ville du département. Voilà, moi je vais laisser le monsieur le maire répondre pour le reste. Si je peux me permettre, madame Sauvy, vous n'avez pas répondu à ma question. Quel parking de substitution avez-vous prévu pour la place du marché? Oui, alors moi, comme je m'occupais du cœur de ville et que tout ceci sont des questions, je pourrais y répondre, hein, mais je vais laisser monsieur le maire y répondre parce que au moins, comme ça, on aura aussi son avis. Merci, Martine. D'abord, je salue les corbeillers saunoises et les corbeillers saunois qui nous regardent. Et donc, cette délibération, en fait, elle sert juste d'un prétexte à parler du centre-ville. Et je suis très satisfait qu'on puisse le faire en conseil communal, municipal. Ça permet à ceux et celles qui nous regardent, en attendant de retrouver du public, j'espère le plus tôt possible, et quand bien même on aura de nouveau un public, on continuera de retransmettre nos débats
qui sont suivis, et vraiment largement suivis, qui veut dire que il y a de l'espoir pour que les citoyens et les citoyennes se mêlent de la chose publique. Donc le centre-ville, donc ces délibérations simplement, c'est pas manger par Évry, c'est le contraire. C'est que Évry, qui est devenu Évry-Courcouronnes, et je ne souhaite pas qu'un jour ça soit Évry-Courcouronnes-Corbeil-Essonne, ça va mieux en le disant, a aussi un action cœur de ville. Je suis le vice-président à l'agglomération en charge et de la rénovation urbaine, on en reparlera pour les Tarterets notamment, et des actions cœur de ville. Donc je suis l'ensemble des actions cœur de ville. Et il y en a trois essentielles dans notre agglomération, dont Corbeil-Essonne. Cette délibération, elle vise à regrouper l'enjeu du cœur de ville des deux villes pour retrouver une centralité à 40 km au sud de Paris entre la première ville du département et la deuxième, Corbeil-Essonne, et la première ville de l'agglomération Grand Paris Sud et la deuxième qui est aussi Corbeil-Essonne. Et en signant cette convention chapeau, tout simplement, l'intérêt que nous allons avoir, c'est d'avoir beaucoup plus d'argent de l'ensemble de nos partenaires pour considérer nos deux centres-villes. D'ailleurs, les deux vont mal, et si vous voulez que je vous le dise, le centre-ville de Corbeil-Essonne va mal. Si nous avions d'un coup de baguette magique en 11 mois refait réouvrir tous les commerces de Corbeil, qui peut croire une bêtise pareille, d'accord ? Je ne parlerai pas tant de l'état dans lequel nous avons trouvé le centre-ville. Je vous invite, comme Martine vient de le faire, à vous connecter à 18h30 précisément demain sur le site de la ville. Vous découvrirez une enquête, et c'est bien plus que de la concertation, Jean-Luc, c'est que les habitants de Corbeil-Essonne vont avec nous, leurs représentants, nous ne sommes que leurs représentants, nous allons refaire le centre-ville de Corbeil-Essonne. Et je vous invite à écouter la parole de Corbeil-Essonnois que je n'ai pas choisi, non, la plupart je ne les ai jamais vus, et tu verras demain soir, toi aussi Jean-Luc, et qui donnent leur perception de l'état du centre-ville, de ce qu'ils en attendent, de ce qu'ils espèrent pour les années à venir. Et c'est ça, demain soir, c'est le début du lancement démocratique de la refonte du centre-ville de Corbeil-Essonne. Quant à la concertation, il ne t'a pas échappé, Jean-Luc, que toi-même, tu n'as pas assisté au dernier conseil municipal à cause du Covid, tu es là ce soir, et donc il était compliqué de faire des grandes réunions publiques à 200, quand à 50, tu ne souhaitais pas y participer. Donc, on a été raisonnable, d'accord ? Donc, le débat démocratique va commencer. Ça pouvait se faire en visio. Le débat démocratique va commencer demain, et essentiellement en visio encore, puisque nous sommes très contraints, et là où le film sera projeté dans la salle de l'hôtel de ville, eh bien, c'est aussi très contraint, et on sera très peu en présentiel. Juste le panel des personnes qui sont dans le film peuvent venir, d'accord ? Hein ? Et donc, je ne souhaite pas te faire prendre de risques, donc tu pourras suivre les débats et intervenir en visio. Mais c'est compliqué de nous demander d'avoir fait beaucoup plus de grandes réunions publiques quand c'était interdit et qu'il y avait un couvre-feu. Donc, ça commence demain. Ça commence demain. Et tu vas pouvoir, pendant 5 ans, plus avec nous si affinité, parce qu'il y en a pour des années, à ce que ce centre-ville qui, je crois, objectivement, ça a été dit, je n'accuserai ni les anciens maires des 50 dernières années. Le centre-ville de Corbeil-Essonne a d'abord souffert de plein de choses, mais de la création, on peut dire ça, de la ville nouvelle d'Évry. Et que, je crois que c'est objectif de dire ça, quand a été créée la ville nouvelle d'Évry, Corbeil-Essonne a fortement souffert. Il y a plein d'autres considérations, puisqu'il n'y a pas qu'à Corbeil-Essonne que le petit commerce a souffert. C'est partout en France, de telle sorte que le gouvernement a décidé des actions cœur de ville pour trouver les moyens de revitaliser ce à quoi les habitants sont attachés, un cœur de ville. Et je ne révèle pas l'enquête de demain, mais vous allez voir, c'est lumineux. On apprend toujours quand on demande l'avis aux habitants, toujours. Ils nous disent à la fois que ce centre-ville, aujourd'hui,
ils ne le vivent pas. Les jeunes ne viennent pas au centre-ville de Corbeil-Essonnes, et d'ailleurs, je les comprends, ils n'ont aucune raison d'y venir. Les femmes nous disent qu'elles n'y viennent pas, vous les écouterez demain, pour plein de raisons. Donc on a un centre-ville qui est mort, d'accord ? Vous n'allez pas nous en faire porter la responsabilité, on s'excuse, hein. Vous avez eu, je dirais juste ça, 25 ans pour le faire revivre, nous on arrive, il est mort. Et c'est peut-être d'ailleurs une des raisons pour lesquelles nous avons remporté les élections. C'est que les gens, et vous allez le voir dans le film demain, en attendent beaucoup. Et c'est ce qu'on a, la responsabilité que vous soyez dans l'opposition, dans la minorité, dans la majorité, nous, les élus du conseil municipal de Corbeil-Essonnes, ensemble, et moi je suis preneur de toutes les bonnes idées, pas simplement de nous dire « oh là là, vous n'allez pas y arriver », soyons ici des porteurs d'idées, et j'aime quand il y a un débat, parce que à ma droite, sans jeu de mots, on dit « c'est pas mal de piétoniser hein », et puis à ma gauche, juste d'un point de vue géographique, eh bien, on dit « non, 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 il faut… » Attendez, Jean-Luc, Zen, c'est un débat. C'est pas ce que j'ai dit. Alors, d'accord. J'ai dit piétoniser en trouvant des parkings exactement. De substitution. Donc, on est tous d'accord. C'est pas la même chose. C'est important. C'est une idée politique. Nous, on le fait parce qu'on a été élus pour cela. Relisez notre programme. On a été élus pour faire une ville qui redémarre, dynamique, attractive, accueillante et écologique. Et je vous annonce que, oui, nous souhaitons qu'il y ait beaucoup moins de voitures, pas que dans le centre-ville. On souhaite vivre... à l'image, et ça fait débat, et je ne dis pas que ce qui se passe à Paris est parfait, parce que ça pose quelques problèmes quand même pour les banlieusards que nous sommes, mais nous avons décidé de faire en sorte qu'on trouve d'autres modes de déplacement à Corbeil-Essonnes que la voiture. Voilà. C'est un choix politique, on l'assume. Je crois qu'il est un peu partagé, en tout cas, pour ce qui est du centre-ville. Et donc, forcément, me revient quand même qu'on était incompétents, etc. Je le redis quand même pour le plaisir. Et j'ai vu vos mines réjouies, Monsieur Marin, belle Madame Garcia, hier soir au Conseil communautaire, de voter avec nous le fait qu'en 10 mois, déjà, nous avons gagné 2 millions d'euros de l'agglomération pour la place du Comte-Aimont. 2 millions d'euros. Si, parce que si tu assistais aux commissions, mais tu n'en es pas membre, eh bien, ça a fait débat parce que des maires d'autres communes, et c'est légitime, ont dit « Oh là là, mais pourquoi on rajoute 2 millions d'euros pour Corbeil-Essonnes ?» Je peux comprendre, il y a une agglomération, il y a un gâteau à partager. Eh bien, notre bataille, nos interventions, je peux vous dire, nous sommes allés chercher 2 millions d'euros supplémentaires. Deuxièmement, sur le regard qu'on porte sur Corbeil-Essonnes, et donc le sujet de se faire manger par Évry n'existe pas. N'existe pas. Parce que nous avons eu, d'ailleurs, je le dis au passage, c'était sur d'autres sujets, ce mois dernier, deux ministres de la République qui sont venus nous rencontrer. Il y a de nouveau un regain d'intérêt l'État pour la ville de Corbeil-Essonnes. Et je le redis, deux visites préfectorales, à la fois à Évry-Courcouronnes et à Corbeil-Essonnes. Deux visites préfectorales qui ont conduit, il y a un mois, à un comité de pilotage avec tous les partenaires qui vont se mêler du centre-ville, Île-de-France Mobilité, la SNCF, la Banque des Territoires, tous les partenaires, c'est un peu compliqué, hein, qui se mettent autour d'une table pour dire comment on peut aider la ville de Corbeil-Essonnes, qui a été cette grande ville, effectivement, rayonnante, au sud de l'Île-de-France, entre les plateaux du Gâtinais, de la Beauce, etc., le rôle central qu'a joué notre ville, jusqu'à avoir la plus grande foire commerciale, qui, je crois, vous ne savez pas qui de l'un et qui de l'autre l'a tué, mais enfin, en tout cas, vous aviez un débat là-dessus. D'accord. En tout cas, on n'a plus de foire commerciale, ça a été une grande ville, ça ne l'est plus. Nous avons la responsabilité de la faire revivre. Et elle revivra à Corbeil-Essonnes, notamment par sa centralité. Centralité qui fait débat, ça commence où, ça finit où, c'est passionnant. Hein, et vous allez voir, les habitants de Corbeil vivent la centralité différemment. Il y en a qui disent que c'est la rue Saint-Spire, la place du marché. Il y en a d'autres, notamment des jeunes, qui disent que c'est la rue de Paris. Voilà. Bon, débat. On va devoir réussir ensemble. Et les préfets nous disent, c'est la phrase qu'ils nous ont dit quand nous avons conclu notre présentation
pas d'un projet ficelé. Qui peut penser, Jean-Luc, qu'on aurait un projet ficelé tant ce dossier est complexe? Mais l'État nous a dit qu'il saluait le travail, la capacité qu'on a eue en 10 mois à prendre les dossiers et à les rendre présentables. Je le répète, la SNCF nous a dit « Oh là là, mais jamais la SNCF s'est occupée de cette ville. » C'est ce qu'ils nous disent. Nous, on va faire en sorte qu'ils s'en occupent. D'accord ? Donc, pour ne pas être trop long, il y a une ambition. Elle va concerner... on commence d'abord. Le premier acte qui va sortir de terre, c'est la délib d'après. Soyez pas trop pressés qu'on en parle. C'est que l'ancien Darblay va devenir une résidence d'étudiants. Vous pouvez venir dans mon bureau, je vous montrerai la maquette. C'est l'acte sûrement premier qui va faire que ce centre-ville va redémarrer. 100 étudiants, notamment par un partenariat entre la résidence d'étudiants qui va sortir et l'école d'infirmières qui va bientôt ouvrir, va accueillir des étudiants d'Évry, Courcouronnes et de Corbeil-Essonne. Ça dit quelque chose. On va ramener de la jeunesse dans le centre-ville. Premier acte. Deuxième acte, la réfection de la place du Comte-Aimont et de la halle du marché. C'est budgétisé, vous n'avez pas voté le budget, mais c'est dans le budget. On va refaire en même temps, pour ne pas embêter les commerçants trop longtemps, et la place et la magnifique halle. Nous sommes en train déjà de discuter avec l'agglomération de la PPI. Il y a une PPI à la commune, il y en a une à l'agglomération. Vous verrez, nous avons choisi, entre autres, de mettre de l'argent pour refaire les allées Aristide Briand. Elles sont dans un sale état. Ce n'est pas de notre faute. On les trouve comme ça. Nous allons complètement refaire les allées Aristide Briand. Il y aura aussi un parti pris, et ça va me permettre de te répondre, Jean-Luc, de dire, aujourd'hui, c'est un parking très moche, tout défoncé, les allées Aristide Briand, alors qu'elles pourraient être un axe central de la ville, beaucoup plus vert, où on trouve des piétons, du vélo, des événements, etc., comme la future place du Comte-Aimont. Il s'agira de recréer des événements sur cette place, faire vie, centralité, faire en sorte que les habitants fassent la fête, d'accord ? Et donc, se pose évidemment une question de parking. C'est ce à quoi nous travaillons tous les jours, notamment avec l'État. Nous allons réaliser un parking relais en face du moving, c'était dans les têtes, dans les vôtres, on va le faire. Je rencontre avec l'administration, la direction du département dans quelques jours, mais vous n'avez pas échappé qu'il y avait des élections, et donc je ne suis pas sûr qu'on prenne de grandes décisions. Là, on va attendre les élections dans un mois, mais on travaille pour que le parking en face du moving devienne un parking relais. Et on va aller chercher de l'argent de l'État pour se faire payer ce parking. Ça ne suffira pas. Là, et vous verrez bientôt, nous aurons un protocole d'accord qui passera en délibération. Nous avons obtenu 550 000 euros de M. Jouitaud, que vous ne lui avez pas demandé. Nous, on lui a demandé, il va nous les donner. Pour faire quoi? Des parkings qu'il devait faire et que vous avez laissé ne pas faire. M. Jouitaud, pour le programme du tribunal, devait faire, je le répète, 500 places de parking. Vous avez signé, enfin quand je dis vous, l'ancienne municipalité, tu n'en faisais pas partie à cette époque. Toi, c'était un peu avant, tu en faisais partie, Jean-Luc, mais pas à cette époque. Et donc, vous avez accepté de faire plus que 100 places de parking pour le même programme, là où il en était prévu 500. Donc, en signant ça, M. Becheter, que M. Breton saluait tout à l'heure, ou Mme Ketfi, je ne sais pas lequel des deux le saluait, a signé, je ne sais pas si vous en a parlé à l'époque, il a accepté, vous verrez, on découvre plein de dossiers comme ça. Et il y en a un qui vous concernera bientôt directement, M. Bell, concernant l'ancienne papeterie, des engagements qu'on a revus à la baisse. D'accord ? Nous, 550 000 euros pour des parkings. Nous sommes en train de travailler à d'autres poches de parking dans le centre-ville, on y travaille. Si tu as des idées, on les prend. C'est ça, des idées, c'est pas de dire oh, « vous n'allez pas y arriver, vous n'allez pas arriver ». Si, on va y arriver. Et si vous avez des bonnes idées, on les prend. D'accord ? Voilà, donc le centre-ville, c'est à la fois tout ça, et bien sûr tant d'autres choses.
Je vous le redis, dans un an, nous délibérerons un peu moins d'un an pour que les quais d'Aropa deviennent accessibles au public en bord de Seine. Pour donner le goût à tout ça, je vous invite les 3 et 4 juin aux guinguettes, puisque le préfet nous autorise à faire les guinguettes du monde, et 3 et 4 juillet en bord de Seine, réappropriation de la Seine. La gare, énorme sujet. Et puis, effectivement, deux gros sujets, mais il y en a d'autres, hein. Les grands moulins de Corbeil qui vont devenir l'un des projets phares du mandat. À la fin de l'année, je vous dis où on en est, à la fin de l'année, la partie des grands moulins qui est à droite de l'hôtel de ville aura changé de propriétaire. La famille Soufflet, au mois de décembre, en partenariat avec nous, et là, pareil, chers collègues, on a mis un pied dans la porte quand nous sommes arrivés. Je finirai là-dessus, pour ne pas être trop long, mais j'ai le sentiment de donner des informations, parce que c'est fait pour ça un conseil municipal. Nous avons été installés le 4 juillet. Quelques jours après, la famille Soufflet m'appelait pour me dire « Monsieur le maire, on a 4 majors qui concourent, on vous les présente, puis nous, on va choisir ». Et quand on a regardé le cahier des charges que vous aviez demandé au Grand Moulin, il n'y avait rien. Des logements, des logements, des logements, des logements. On a dit, il n'en est pas question. Et comme tu as dit, Jean-François, c'est le maire, les adjoints qui signent les permis de construire, d'accord, qui délivrent les permis, eh bien, on a dit à la famille Soufflet, tant qu'on ne pourra pas y mettre notre grain de sel, on ne fera rien. On a changé, il y a des candidats qui ont abandonné, d'autres sont venus. Nous discutons maintenant, quasiment toutes les semaines, avec la famille Soufflet. On nous présente des projets, on y apporte des idées, je vous en donne, aux 3 qui concourent, sont 3 à concourir. Hein. Est-ce que quand l'Essonne passe sous les grands moulins, vous voyez, quand elle arrive, est-ce qu'on ne peut pas la réouvrir? Est-ce qu'on ne peut pas créer une salle des fêtes dans les grands moulins? Est-ce qu'il y en a qui disent, nous, on veut ouvrir une brasserie? Ça se confirme, fabrique de bière. J'ai rencontré M. Powell ce week-end, agriculteur de beaucoup de terres agricoles, qui dit, génial, je suis prêt à fournir l'orge pour la future bière de Corbeil-Essonne. Bah, c'est un peu plus que simplement du logement, du logement, du logement. Voyez, ça, c'est les grands moulins. Et Elio Corbeil, là aussi, comme quoi la réalité est pleine de contradictions, Jean-Luc. Tu dis, tu prends le drapeau de la CGT, pourquoi pas, pour dire que tu défends les salariés. Moi, je suis aussi pour les défendre. Et tu dis qu'on aurait dû, d'abord, ce que tu proposes est juridiquement complètement impossible, hein, une vente à 15 millions d'euros, et puis nous, on arrive, non, ça vaut plus 15, ça vaut 5. Non, ça marche pas comme ça. Mais je peux te dire que le meilleur moyen, si ton sujet, c'est de défendre les salariés d'Elio Corbeil, demande-leur, dans leur globalité, j'ai bien compris qu'aujourd'hui, certains font partie d'un plan de licenciement, ça ne m'a pas échappé, si c'était plus simple pour eux de vendre leur terrain 3, 4 millions, comme tu dis, ou 15. En tout cas, la direction de l'entreprise de l'époque a préféré 15. Mais si toi, tu penses qu'il s'en serait mieux sorti avec 3, 4, faut que tu m'expliques économiquement comment tu aurais fait. Donc, nous ne sommes pas responsables d'Elio Corbeil, ça ne vous a pas échappé. Elio Corbeil, qui a fermé, pourquoi elle ferme, Elio Corbeil? Parce qu'elle vivait par les journaux que la famille Dassault, Serge Dassault, leur faisait imprimer. Du jour où Serge Dassault, malheureusement, est décédé, la famille Dassault a décidé d'arrêter de donner du travail à Elio Corbeil. Donc, nous ne sommes pas responsables de la fermeture de cette entreprise. D'accord? Après, un promoteur arrive, il en propose 15, ils prennent les 15 et ils font bien ce qu'ils veulent avec les salariés. Vous êtes d'accord? Vous êtes pour la liberté d'entreprise et la liberté du commerce et de l'industrie. D'accord? Il n'appartient pas au maire de dire « Eh oh, avec vos 15 millions, vous restez ici ». On leur fait des propositions. Aujourd'hui, ils ont un terrain à Comble-la-Ville avec 25... 30 salariés, un projet industriel qui, pour l'instant, moi, je leur souhaite tout le bonheur. Ils nous disent vouloir revenir à Corbeil-Essonne.
il faut aussi, il y avait des questions de délai, il faut trouver la place pour accueillir Elio Corbeil, s'installer, tout ça en quelques mois, c'est pas simple. Nous allons en partenariat d'ailleurs avec ce qui reste de l'entité Elio, travailler à la sortie d'un ouvrage historique sur la mémoire de l'imprimerie Créteil et Elio Corbeil, d'accord ? On va travailler cela. Voilà, aujourd'hui, on en est là. Pour finir, définitivement, mais c'est pour répondre aux questions, on ne se défile pas, les questions nous intéressent. Eh bien, Jean-François, tu dis qu'il y aura 1200 logements à Elio. Avant de te répondre sur ce point-là, nous allons faire de la disparition de cette entreprise. C'est pas nous qui l'avons décidé. Hein. On va essayer d'en faire une chance pour Corbeil-Essonne. Une chance. Si vous trouvez une entreprise, parce qu'effectivement, ce terrain, aujourd'hui, ne peut accueillir dans le PLU qu'une entreprise. Hein. Si vous trouvez une entreprise qui veut venir s'installer sur les 4 hectares, vraiment, il faut nous le dire tout de suite. D'accord ? Bon. Je crois plutôt qu'effectivement, le monsieur qui a acheté, il va essayer de... Lui veut faire sûrement des logements. Nous délivrons les permis de construire. Nous allons fabriquer de la ville à la place d'Elio Corbeil. Moi, je pense que et les Grands Moulins et Elio, c'est une chance pour le centre-ville de Corbeil. Parce que ça va nous permettre de repenser toutes les circulations, l'accueil de nouveaux commerces, vous voyez. D'abord, si le commerce pouvait redémarrer par la rue Saint-Spire et la rue Notre-Dame, pourquoi ne l'avez-vous pas fait? Le commerce ne redémarrera pas comme ça par la rue Saint-Spire et la rue Notre-Dame. Sinon, vous l'auriez fait. C'est qu'il faut toute une autre économie du centre-ville, c'est le débat qu'on lance demain, qui sera fait d'environnement, de piétons, de vélos, de commerce, de logements, bien sûr de logements. Hein, vous en avez construit 10 000 en 10 ans, vous n'allez pas nous interdire d'en faire quelques-uns aujourd'hui. Bon, donc du logement, et une ville qui ne construit plus, c'est une ville qui meurt, donc on va faire du logement. Quel type de logement? Pour accueillir qui? Débat, débat. La gare, les transports, l'accueil d'espaces de coworking, etc., etc. C'est ça qu'on va faire. C'est ça qu'on va essayer de faire. Ben, c'est passionnant. C'est tellement passionnant que vous vouliez le faire à notre place. Bon, mais les électeurs en ont décidé autrement. Donc, on va le faire ensemble. Voilà. Ça vous permet, et je tiens le pari, Monsieur Bell, mais tu as été... toi, tu as dit un petit maire adjoint à l'urbanisme, moi, je ne sais plus comment dire, tu as été maire adjoint à l'urbanisme, et tu sais très bien que la réussite d'un projet ne tient pas qu'au nombre de logements, sinon vous n'auriez pas fait la papeterie à la papeterie. L'enjeu, ça va être du nombre de logements, bien sûr, et jamais il n'y aura 1000 logements à la place d'Elio. Jamais il y en aura 900. Il y en aura beaucoup moins, d'accord? Mais ça, c'est le débat que nous allons avoir, et la question ne sera pas que du nombre de logements, la question sera comment imaginer un centre-ville. Ça commence demain soir à 18h30. Madame Garcia. Puis après, bon, on a aussi d'autres débats, hein, mais je veux censurer personne. Monsieur le maire, vous êtes un excellent tribun. Ah, ça, c'est gentil. Ça, on ne peut pas le nier. Mais je ne crois pas que vous soyez candide, monsieur le maire. Et donc, quand vous nous dites qu'au niveau de la communauté d'agglomération, on a affaire à une excellente entente entre tous les élus, toutes les villes, oui, en apparence, c'est ce que ça donne. C'est-à-dire, chacun plaide aussi pour sa paroisse. Et on sait que la ville d'Évry est très hégémonique. Personne n'en doute. Vous avez là un maire très dynamique, très ambitieux, et une ville d'une totale laideur, avec un centre de l'Agora qui, malgré tous les investissements, n'arrive pas à générer cette centralité dont il rêve tant. Parce que je me rappelle, moi, les avoir entendus parler de centralité, d'Évry, Courcouronnes, et ça se matérialise, monsieur le maire, dans les investissements. Vous avez bien vu, enfin, je veux dire, vous avez réussi, bon, peut-être... et je m'en félicite, à augmenter notre dotation pour la place du Comte-Aimant. Mais vous avez vu les sommes investies pour Évry-Courcouronnes. Elles sont considérables, ça n'a rien à voir avec nous. Bien. Donc je crois qu'il faut arrêter d'avoir ce discours un peu
Angélique sur cette entente et sur cette compréhension mutuelle. Donc je crois qu'il faut défendre bec et ongles les intérêts de Corbeil-Essonnes. D'autre part, j'ai préféré vous entendre parler de compréhension en ce qui concerne le cœur de ville, quand vous avez dit, voilà, je ne peux pas incriminer tous les maires. C'est exact. Les cœurs de ville se meurent un peu partout en France. Ce n'est pas seulement Corbeil-Essonnes. Donc il faut savoir être humble. Et là, je vous aime moins dans le discours, si je puis dire, quand vous dites « vous n'avez rien fait pendant 25 ans », etc. Ben, c'était très compliqué, très compliqué. Et vous êtes confronté à cette situation maintenant. Donc je crois qu'il faut savoir être un petit peu humble et ne pas... voilà. D'autre part, monsieur le maire, je pense qu'en matière d'urbanisme, bon, nous, on est clair dans notre petit groupe, là. On était opposés à une espèce d'urbanisation folle qui était plus ou moins prévue par le maire précédent. C'est ce qui a justifié qu'on ait notre liste au premier tour. On le revendique, on n'en a jamais eu honte. On tient vraiment à une urbanisation maîtrisée de la ville. Et ce projet que vous avez sur Hélio nous inquiète, monsieur le maire, nous inquiète beaucoup. Donc, voilà, je pense qu'il faut, puisque vous aimez tenir compte, c'est ce que vous nous dites en tout cas, de la vie de tout un chacun, moi j'attire votre attention sur l'importance de maîtriser cette urbanisation du centre-ville et de contrôler votre projet sur Hélio, parce que je ne crois pas que vous ayez la maîtrise sur ce dossier. Sincèrement, je ne pense pas que vous l'ayez. Voilà, monsieur le maire, je me permets. Merci. Voilà. Écoutez, c'est un débat intéressant. Hein ? Donc, on va passer au vote. Martine, vas-y. Alors, est-ce qu'on peut passer au vote ? Qui s'abstient ? Qui est contre ? Et qui est pour ? Bon, merci. Merci Martine, merci Hélène qui, à tes côtés, ne compte pas ses heures sur ce dossier. Donc, Monsieur Renard va se faire un plaisir de nous parler du protocole d'accord transactionnel avec la société de la Tour Eiffel. Pour les Corbeil-Essonnois qui nous écoutent, c'est l'ensemble immobilier d'Arblay. Il s'agit de l'ancien centre administratif. Monsieur Renard, c'est à vous. Oui, alors, on vous a fourni dans le dossier une notice explicative qui est très précise, qui a été faite par le service juridique. Et puis, on vous a fourni le texte même du protocole. Alors, je ne vais pas vous infliger une longue lecture. Je voudrais simplement résumer cette affaire. Quand je suis arrivé, peu de temps après mon arrivée à mes responsabilités, on m'a tendu un papier. Il s'agissait d'un commandement à payer de 562 000 euros. Ça fait un drôle d'effet hein, quand on n'est pas habitué. Et bien sûr, je me suis renseigné pour savoir ce qui se passait. Et donc, j'ai appris que le maire de la précédente municipalité, je crois que certains l'appellent Jean-Pierre, avait donné congé des deux baux. Vous savez que le précédent centre administratif était composé de deux bâtiments qu'on appelle habituellement d'Arblay 1 et d'Arblay 2. Et il avait donné congé à l'échéance du 11 décembre 2019, soit deux ans avant l'arrivée à terme d'un des deux baux, c'est-à-dire avant la date où il était possible légalement de résilier. Donc, il y avait là ce que je ne peux pas appeler autrement qu'une erreur de gestion, et une erreur grave, puisque les loyers continuaient à courir, et la ville devait continuer à les payer. Alors, on a commencé par contester auprès du tribunal le commandement à payer pour gagner du temps, pour étudier l'affaire, pour savoir ce qu'on pouvait faire. Et dans les mois qui ont suivi, à la fois on a progressé dans l'analyse de ce problème et dans la négociation, et puis en même temps, le contentieux s'est aggravé. D'une part, parce que la société Tour Eiffel s'est mise à nous réclamer la remise en état des locaux pour une somme d'environ 600 000 euros. D'autre part, parce que les loyers, évidemment, de mois en mois, ont continué à courir. Et d'autre part, parce qu'il y avait des intérêts de retard. Si bien qu'en fin de compte, on est arrivé à un total de 2 351 000 euros TTC. Mais
On a travaillé, et on a travaillé en équipe, et moi je veux remercier tous ceux qui ont travaillé sur ce sujet-là, les services de la commune, en particulier les services juridiques, nos conseils, les élus, le cabinet, enfin, on s'y est tous mis, on a travaillé. Et puis on a fini par comprendre qu'il était possible de trouver un accord. Pourquoi ? Parce que la société Tour Eiffel, elle veut que la résidence étudiante, qui doit, monsieur le maire vous en parlait à l'instant, elle veut que cette résidence étudiante voie le jour et elle a besoin de la commune, elle a besoin du permis de construire, elle ne peut pas faire cette résidence sans nous. Donc on avait un moyen de négocier. Donc il a fallu du temps, du travail et puis in fine la présence et l'engagement de notre maire pour trouver une bonne solution, une solution acceptable dans laquelle le montant total de la somme à payer est passé de 2,3 millions à 300 000 euros. Et donc, c'est le protocole qui scelle cet accord et qui permet donc de limiter de manière importante les sommes que doit la commune et en même temps de permettre la construction rapidement de cette résidence, enfin la construction, l'aménagement des bâtiments pour faire cette résidence étudiante, qui est un facteur important, comme monsieur le maire le disait tout à l'heure, de la revitalisation du centre-ville. Je ne détaille pas ici le protocole, c'est un protocole transactionnel classique. Chaque partie renonce évidemment à attaquer en justice l'autre partie. Les conditions financières sont fixées. La société Tour Eiffel renonce évidemment au droit qu'elle avait de demander la remise en état des locaux, etc. Je vous renvoie au texte, hein. Je pense que ce n'est pas important de rentrer dans le détail. Ça a été vu évidemment par nos avocats, par le service juridique, pour qu'il n'y ait pas de difficultés ultérieures. Et donc nous sommes arrivés à un bon accord. Et pour terminer, je voudrais vous dire, moi je me suis demandé dans la petite histoire de la gestion de la commune, ce qui resterait de ce travail et de ce protocole. Pour ceux qui ont soutenu Jean-Pierre Bechter, moi, je crois qu'ils n'en parleront pas beaucoup, parce que c'est bien une erreur qui a été commise. Je crois qu'ils n'en parleront plus. Et ils auront raison, parce qu'ils n'ont pas de quoi en être fiers. Pour les élus de la majorité, bah, ils se diront qu'on s'en est bien sorti. Ils se diront même peut-être que c'est une victoire, un bon travail qui a été fait. Ils auront raison aussi de le dire. Moi, je voudrais terminer en disant autre chose. Tout ça est vrai. Mais quand même, ça nous coûte quand même 300 000 euros. Et vous voyez, si je passais en revue, rassurez-vous, je ne vais pas le faire, chacun des élus qui sont ici, et si on réfléchissait pour chacun d'entre eux, ce qu'on peut faire avec 300 000 euros, on peut faire beaucoup de choses. Pour Elsa Touré, on peut envoyer beaucoup d'enfants en vacances. Pour Oscar Segura, on peut faire des spectacles, on peut faire des activités avec 300 000 euros. On peut financer les guinguettes plus facilement, c'est le moins qu'on puisse dire. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, satisfaction, oui, mais quand même nuancée par le coût de l'opération. Eh bien, voyez-vous, pour moi, je terminerai là-dessus, je répondrai aux questions s'il y a des questions sur le protocole. Pour moi, cette affaire, ça restera un des exemples les plus navrants, les plus tristes et en fin de compte les plus coûteux de la gestion médiocre de Jean-Pierre Bechter. Merci. Jean-François Bell, après Madame Garcia. Madame Monsieur Petit. Renard. D'abord, je voulais vous féliciter de votre retour, parce que vous nous avez beaucoup manqué au précédent conseil. Il faut dire que monsieur le maire, qui n'a pas pu répondre à nos questions, je sais que vous auriez pu répondre à toutes les questions que je posais, donc était bien embarrassé, mais il s'est débrouillé. Il nous a fait une pirouette qui était tout à fait remarquable, il n'y a pas de problème. Vous avez parlé de tout autre chose que du budget, mais ça a sans doute assez bien fonctionné. Nous vous attendons au prochain budget, je l'espère. Mais là, cette fois-ci, je voudrais vous remercier pour le conte que vous venez de nous raconter. Alors, c'est un conte, c'est
C-O-N-T-E, à mon sens, parce que ce que vous nous dites, bah, c'est ce que vous nous dites. C'est-à-dire que nous, on n'a pas été dans la négociation. Nous savons comment se passent les négociations entre entreprises en général, entre bailleurs et locataires, et aussi entre communes et entreprises. Et donc, effectivement, ben, l'affaire Bechter-Tour Eiffel s'était réglée d'une certaine manière. L'autre entreprise n'était pas d'accord, semble-t-il, sur la façon dont ça se terminait, mais Bechter avait son point de vue et considérait que c'était comme ça que ça devait se passer. Et puis, l'autre entreprise a menacé d'aller au tribunal en allongeant des factures longues comme le bras, et vous nous dites les avoir pris pour argent comptant. Vous nous dites vous-même, d'ailleurs, que si vous étiez allé au tribunal, bah, peut-être que ça n'aurait pas été le même résultat. Évidemment. Donc, l'entreprise en question faisait l'âne pour avoir du son. Donc, le problème de l'entreprise, c'était de savoir ce qu'allait pouvoir devenir ce bâtiment qui ne valait pas un copec, puisqu'il n'y avait pas de locataire potentiel autre qu'une entreprise ce bâtiment ne pouvait être loué ou vendu qu'à destination de bureaux, et qui plus est de bureaux qui ne nécessitaient pas de parking, puisqu'il n'y a pas de parking dans cet immeuble, ou quasiment pas. Bref, impossibilité quasi totale, sauf miracle extraordinaire, de trouver un locataire pour la fonction qui existe pour ce bâtiment. Or, nous savons bien que c'est le maire de Corbeil-Essonnes qui décidera demain de l'affectation potentielle de ce bâtiment. C'est monsieur le maire, en révisant le plan local d'urbanisme, qui décidera si demain on peut transformer cet immeuble de bureau en immeuble de logement, ou en immeuble destiné à des étudiants, ou à des jeunes travailleurs, ou à des anciens, ou à des... Bref, c'est le maire qui le décidera. Bref. De quoi s'agit-il dans cette affaire ? Il s'agit d'une société qui veut transformer ce bâtiment en logement, qui donc alourdit le plateau des charges de la ville, le plateau de balance, vous savez, la balance de la justice, pour pouvoir négocier avec vous. Et vous, très justement, et c'est de bonne guerre, vous négociez avec lui et vous tordez le bras à l'entreprise en obtenant, en échange de la transformation des critères du plan local d'urbanisme, une diminution de la facture qu'ils prétendent vous réclamer. Les 300 000 euros restant une petite soulte que l'entreprise a besoin de présenter dans ses comptes, parce que bah, c'est normal, il faut présenter quelque chose. Voilà, donc la réalité, c'est ça. Moi, je suis très heureux, effectivement, que bah, vous arriviez à ce résultat, parce que nous, ce qu'on veut, c'est des étudiants, c'est très bien, ça nous va parfaitement. Nous espérons néanmoins que la société Séquence, c'est bien la société Séquence qui rachète le bâtiment. Cette société est une société anonyme à but de logement social. Elle ne fait pas que du logement étudiant. Elle fait aussi du logement travailleur, jeune travailleur. Elle fait du logement social pur. Elle fait du logement pour les anciens. Donc je vous engage à être extrêmement prudent sur la destination de l'immeuble, la façon dont vous destinez l'immeuble. Cet immeuble doit être fait pour des étudiants et pour rien d'autre, parce que nous connaissons la musique. Nous savons bien comment, par exemple, une convention pour le logement, comment ça s'appelle, Alex, les... Quand on mélange ancien et logement social, par exemple. Bon, enfin bref, ce qui a été fait, par exemple, sur les terrains Minerva près de la rue de Paris, où on a une convention qui était destinée à la mixité, voilà, une résidence intergénérationnelle. Donc nous savons très bien que l'intergénérationnel, ça peut être 10% de non-anciens ou 90% de non-anciens. Et que, évidemment, ça change tout.
et que ça, ça change tout, notamment en termes de stationnement, mais en termes de régime social. Donc on sait comment ces sociétés peuvent faire pour transformer des lapins en carpes, des carpes en lapins, et donc on vous engage véritablement à être très prudent. Cela dit, donc on est d'accord sur le principe, on est content que vous ayez tordu le bras de cette entreprise pour en faire un projet qui corresponde aux besoins de Corbeil-Essonnes. Et moi, ce que j'attends, monsieur Piriou, c'est que vous, monsieur Piriou, vous, monsieur, qui êtes maire et qui présidez aux destinées du plan local d'urbanisme et qui proposez des coefficients d'occupation des sols, eh bien, vous tordiez le bras de la même manière que vous l'avez fait pour Séquence, que vous tordiez le bras à la société qui a acheté Elio et qui pourra faire ce que vous voulez si vous le décidez. Évidemment, et c'est la question qu'on se pose tous, c'est pourquoi tant d'avantages donnés à une entreprise qui va sortir de Corbeil-Essonnes pour sauver 20 employés qui n'habitent même pas la ville. C'est vraiment la question qu'on se pose. Peut-être Sylvain, je donne. Tu concluras ou vas-y. Moi je constate, je ne vois pas en quoi ce que j'ai dit n'est pas conforme à la réalité. Monsieur Bell, vous n'avez rien dit qui infirme ce que j'ai expliqué. Nous avons tordu le bras, bah oui, on sait le faire, et vous un peu moins apparemment. Et je n'ai pas entendu la remise en cause de ce que j'ai dit sur le fait générateur de ce contentieux. Le fait générateur, c'est bien la résiliation anormale à une mauvaise date d'un bail. C'est bien de là que le problème est parti. Et à aucun moment, vous ne m'avez expliqué autre chose. Là, il n'y a pas un compte, il y a une réalité. Maintenant, vous nous donnez des conseils. Oui, il faut veiller à ce qu'on fasse bien une résidence étudiante. Et je suis certain que monsieur le maire y veillera avec nous. Il n'y a pas de doute là-dessus. Mais je ne vois pas que les faits qui sont évoqués dans la notice explicative et que j'ai résumé tout à l'heure soient le moins du monde infirmés par ce que vous avez dit. Il y a bien eu au départ une erreur d'un maire assisté probablement au moins de temps à autre d'un adjoint à l'urbanisme. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions... Je vais donner juste... Madame Garcia, puis après je dirai un petit mot. Non, ce n'était pas une question, c'était simplement pour insister sur le fait que nous sommes tout à fait favorables au principe d'une résidence étudiante, que cela rejoint en effet cette nécessité d'animer notre centre ancien. Et monsieur le maire, c'était de vous interpeller sur le fait comment être sûr que cette résidence étudiante ne soit pas entre-temps, après, voilà, qu'il y ait une autre utilisation de ces chambres qui seront réservées aux jeunes. Voilà, c'est la garantie. Très bien. Voilà. Alors, en tout cas, on a commencé ce conseil depuis une heure et demie. Et depuis tout à l'heure, vous êtes heureux. Hein, vous êtes heureux que... On a eu 2 millions de plus de l'aglo pour piétoniser. Et là, vous êtes heureux qu'au lieu de payer 2 300 000 euros, on n'en paye que 300 000. Donc nous, si la soirée continue comme ça, c'est parfait. On va essayer de continuer dans cette direction-là. Simplement, quand même, vous dire que quand nous sommes arrivés, il y avait un bâtiment moche, vide, sans projet, qui était le résultat moche, vide, sans projet, avec un propriétaire pour lequel M. Bechter n'avait pas réussi à négocier l'acquisition, sinon on n'aurait pas construit en partenariat public-privé le NCA où nous sommes aujourd'hui, d'accord, qu'on va continuer de payer pendant quelques décennies. Au total, dans votre bilan, parce que des fois je me dis qu'en vous écoutant, M. Bell, ceux de votre gauche doivent être énervés. Il est gonflé, celui-là. Il a été dans la majorité depuis 2001. Et puis, il explique qu'il est au courant de rien et que c'est toute votre faute. Alors, voilà, vous étiez quand même tous ensemble. C'est pas grave. Hein. Aujourd'hui, c'est un peu différent. Mais on a quand même payé des dizaines de millions d'euros l'ancien Darblay, qu'on a rendu moche avec une ardoise de 2 300 000 euros. C'est ça, la réalité. Hein. Sans projet.
Et on va se retartiner des dizaines de milliers d'euros pour, en partenariat public-privé, un futur centre administratif. Ça, c'est des faits. C'est la réalité. Il n'y a aucun maire qui a réussi à dépenser autant d'argent pour accueillir ses agents. Hein, ça vous fait sourire, c'est vrai, M. Bell. C'est une prouesse. Hein, voilà. Donc, voilà. Si je dis des bêtises, vous pouvez... voilà. Je ne sais pas si, Jean-Luc, tu étais élu à cette époque, du Darblay. Non, ce n'était pas ce moment-là. D'accord. Donc, en tout état de cause, vous êtes un peu tous responsables de cette affaire. Et donc, sur ce dossier, nous, on va rendre le bâtiment beau. Je vous invite à l'inauguration dans un an. J'ai la garantie que ce sera bien des étudiants, peut-être même beaucoup d'étudiants, puisque ceux qui vont bénéficier du permis de construire pour faire cette résidence d'étudiants ont rencontré la direction de l'hôpital, qui va inaugurer, je l'ai dit, une école qui va accueillir des centaines et des centaines d'infirmiers et d'infirmières. Attendez, et donc... Ah non, non, non. Si, que des étudiants. Que des étudiants, dont une bonne partie d'étudiants et d'étudiantes de l'école d'infirmières. D'accord ? Ce qui est assez malin. C'est-à-dire qu'il y a des infirmières qui arrivent de toute la France dans une école d'infirmières qui auront besoin de se loger. Elles seront, entre autres... Ils seront et elles seront logés en centre-ville. Et au total, la délibre qu'on vous propose de passer, c'est qu'on économise la ville de Corbeil-Essonne, que les Corbeil-Essonnoises et les Corbeil-Essonnois le sachent, cette délibre nous permet d'économiser 2 millions d'euros que nous avions à payer en arrivant. Et vous verrez, malheureusement, mais heureusement parce que nous arrivons pas trop mal à négocier, à chaque conseil municipal, ceux qui vont venir, vous verrez qu'on va économiser de l'argent sur des ardoises que nous avions trouvées. Voilà. Et la totalité de ces ardoises, Madame Garcia, vous allez être très satisfaite, vous sera présentée au prochain conseil municipal, puisque nous tiendrons notre promesse de vous dire tout ce qu'on a trouvé depuis 11 mois. D'accord ? Voilà. Donc, Monsieur Renard... Nous pouvons, je pense, passer au vote. Je crois. Monsieur le maire... Ah, monsieur... Oui ? Monsieur Le Guay. Ouais, merci. Je tiens juste à préciser à Monsieur Bell concernant l'exemple qu'il a pris tout à l'heure, c'est-à-dire l'impasse Minerva. C'est une multigénérationnelle. Pour votre information, j'ai été visité sur place par rapport à ma délégation. Ma délégation, il y a 60 logements, dont 3 logements F4. Donc, pour votre information, il n'y a pas de problème essentiel sur le stationnement, car pour les trois quarts des bâtiments, ce sera des retraités qui ont pour la plupart un véhicule chacun. Et pour, si vous voulez vérifier, c'est Essonne Habitat qui est propriétaire. Bon, écoutez, voilà, on ne va pas faire le tour de tous les permis de construire qu'on a trouvés en arrivant. Monsieur Picard ? Quelqu'un chez vous ? Oui, un petit mot tout de même, parce qu'on vient d'assister à un coup de passe-passe extraordinaire. Finalement, Jean-François Bell, Sylvain Renard n'a pas passé ses soirées et ses nuits à tenter de démêler un dossier qui grossissait au fur et à mesure des semaines à nous parler en bureau municipal. C'est juste une question de biceps, finalement, en commune. Ça me paraît un peu léger pour expliquer une... Pour expliquer, il y a un problème de micro. C'est pas un problème de biceps. Pour expliquer mais... une erreur manifeste. Et je considère que par rapport à la qualité du bâtiment, parce que moi, c'est pas la conception que j'ai du travail d'une administration, c'est un petit miracle qu'on arrive à le reconvertir aujourd'hui en résidence étudiante, il faut le dire. La troisième remarque que je voulais faire quand même, c'est un jour, l'histoire jugera du parti pris idéologique des gens qui se sont succédés à la mairie pendant 25 ans sur les partenariats publics-privés. Parce que celui de l'hôpital a été une catastrophe dont on est sorti à grand-peine, et on pourra faire le compte un jour de ce que va nous coûter très précisément, dans le PPI d'ailleurs, les remboursements du NCA. De ce point de vue-là, on ne peut pas dire que la qualité de gestion de l'équipe précédente ait montré des qualités extrêmement importantes. Merci Jacques. Madame Kitfi. Ça fonctionne, oui. Je vous aura pas échappé, je ne faisais pas partie de la précédente équipe et pourtant, aujourd'hui, voilà, je voudrais m'exprimer sur ce sujet du Darblay. Ce que je constate qu'en premier lieu, vous avez contesté cette décision, c'est que je suppose que vous estimiez qu'il y avait lieu de contester pour
ne pas acquiescer et payer cette somme que vous contestiez au nom de la ville. Je me dis que contractualiser en défendant finalement, peut-être aurait-il fallu aller jusqu'au bout de la procédure pour défendre les intérêts de la ville, puisqu'il semblait, il semble qu'il était tout à fait possible d'avoir une décision en notre faveur, mais il est, je pense, aussi plus simple de jeter l'opprobre, comme vous le faites là, sur la précédente équipe. C'est beaucoup plus simple d'aller au bout d'un conseil et puis d'une décision et d'avoir peut-être gain de cause pour la ville. Moi, je suis surprise de ce que vous appelez une erreur de gestion d'une personne, en fait, la précédente équipe, qui a eu un audit externe de la Cour des comptes sur les années 2015, 2016, 2017, 2018, et qui a eu un blanc-seing total sur sa gestion financière de la ville. Au passage, je préciserai que le NCA, qui a coûté certainement très très cher, je ne sais pas, je n'ai pas vu le dossier, mais j'ai vu dans le budget qu'il fait économiser tous les ans 800 000 euros à la commune. Je pense que c'est important de le préciser. Il faut le rappeler, c'est du budget tous les ans dont la commune pourra disposer. J'étais surprise de ce que vous appelez une erreur de gestion. Alors je me suis dit, je vais appeler celui que certains appellent Jean-Pierre, pour comprendre. Donc Jean-Pierre qui est celui qui a aussi des bonnes idées, puisque je vous félicite de reprendre certaines de ces bonnes idées. Vous l'avez dit, le parking relais en face du moving, qui était une de ces bonnes idées, ou encore l'action cœur de ville, qui était une de ces bonnes idées, et que son équipe précédente, dont je ne faisais pas partie bien sûr, hein, mais je les félicite d'avoir obtenu l'action cœur de ville pour Corbeil-Essonne, puisque c'est eux qui ont monté, les personnes qui sont là ici, qui ont monté ce dossier, qui ont obtenu ce dossier pour la ville de Corbeil-Essonne. Pour cela, je les en remercie. Et donc, je me suis dit, je ne suis pas d'accord avec tout ce que fait Jean-Pierre Bechter. Hein. La bétonisation n'était pas, c'est pas sa politique de bétonisation, je n'y suis pas favorable, je vous le dis aussi. Et donc, j'étais surprise et je me suis dit, mais comment on a pu arriver sur une erreur, ce que vous appelez une erreur? Et en fait, il m'a expliqué qu'il y avait une négociation qui était en cours pour installer une résidence senior et que cette négociation permettait à la ville de ne débourser aucun euro, zéro euro, et qu'il y avait un accord pour monter cette résidence senior, un EHPAD, et qu'il était possible, du coup, de ne rien débourser en faisant cette opération-là. Donc je suis surprise d'entendre aujourd'hui qu'on débourse 300 000 euros pour cette opération, qu'on s'en satisfasse. Peut-être aurait-il fallu attendre une décision de justice et que la ville aurait eu gain de cause, tout simplement. Voilà, aujourd'hui, je voulais quand même porter, parce que chacun raconte son histoire. Moi, l'histoire que j'ai entendue et celle que j'ai eue, c'est celle-ci. Et les preuves que j'en ai, c'est le blanc-seing de la Cour régionale des comptes pour le travail qui a été effectué par l'équipe de Jean-Pierre Bechter. Peut-être un petit mot avant que je te laisse conclure, Sylvain. Moi, je ne suis pas là pour juger de votre bonne relation avec Jean-Pierre Bechter. Hein. Vous continuez de le croire. Bon, écoutez, bientôt, il restera peut-être plus que vous, hein, mais vous l'aurez fait. Non, les rapports de la Chambre régionale des comptes ont bien sûr pointé les partenariats publics-privés. Bien sûr. Et donc, je vous montrerai les pages, les rapports de la Chambre régionale des comptes ont mis en cause la mauvaise gestion pour, ce qu'acquiesce d'ailleurs Jean-François Bell, avoir dépensé autant de dizaines de millions d'euros pour un centre administratif. Donc, il n'y a pas de débat là-dessus. Je vous assure, après, croyez Jean-Pierre Bechter, moi, je veux dire, ça m'importe peu. Quand nous sommes arrivés, il n'y avait pas un dossier sur le Darblay. Hein. D'ailleurs, je me rappelle très bien un conseil municipal quand M. Bechter a décidé d'abandonner le Darblay. J'ai dit, mais qu'est-ce que vous allez en faire? Il était un peu en colère de ne pas avoir réussi à négocier avec la société Eiffel. Il a dit, je m'en fous de ce que deviendra ce bâtiment. Et donc, ce n'est pas parce qu'on devient maire qu'on n'a pas la responsabilité des décisions qui ont été prises avant. Nous, on devient maire et il y a un bâtiment
et on nous réclame de l'argent. Et pour une part, une partie de la somme qui est réclamée est légitime. Ils nous disent de le remettre en état. Mais évidemment, il a été utilisé pendant des années pour être un centre administratif. On leur rend, c'est comme quand vous rendez un appartement, hein, il y a la remise en état. Et ils nous demandent de l'argent. Sylvain Renard l'a pointé, il a même été un petit peu en dessous, c'est la remise en travaux d'état du bien, 826 000 euros. Ils nous le réclament. Qui peut prendre le risque de dire, bah, allez, on va en justice. D'ailleurs, pendant tout le temps où tu vas en justice, dans le Darblay, il ne se passe rien. Tu as un bâtiment vide, moche, en centre-ville. Et tu n'es même pas sûr de gagner qu'un tribunal dise, non, vous n'aviez pas besoin de le remettre en état. Et on leur doit des loyers. Et Madame Kedfi, on leur doit vraiment des loyers. Et je pense que sincèrement, ils ne risquent pas de m'attaquer en diffamation, l'ancienne mairie a dissimulé jusqu'aux élections le fait qu'on devait des loyers. Et quand nous, on arrive aux affaires, on nous réclame des loyers. Et c'est aussi bête que ça, le tour de force, ou pas comment tu as dit, Jean-François, dont tu nous crédites, nous l'avons eu, pour négocier. Et c'est facile à comprendre, tu l'as résumé, Jean-François, c'est exactement ça. Il y a un propriétaire d'un bien qui veut le vendre, il veut s'en débarrasser, il veut le vendre, puisqu'il a été fait pour faire un centre administratif, il n'y a plus de centre administratif. Il veut le vendre. Il est pressé de le vendre. Bien sûr qu'il est. Plutôt il le vend, plutôt il est content. Et nous, on est pressé qu'il s'y passe quelque chose. Parce qu'il y a une action cœur de ville. Et donc on négocie. Et on passe de 2 300 000 euros. Sincèrement, nous n'avons aucune garantie qu'en justice nous aurions gagné. Aucune garantie. Et c'est là où on a été bon. C'est qu'on n'a pas pris le risque d'aller en justice pour qu'on nous réclame 200-300 000 euros que vous leur deviez. Bah, pas toi, mais tu ne vas pas nous faire le coup, Samira, que tu n'étais pas dans l'équipe. Tu as été pendant des années dans l'équipe. Tu as arrêté pendant un temps, puis tu reviens. Donc ça va. Et tu appelles Jean-Pierre Bechter, c'est ton problème. Hein, moi, je n'ai pas à l'appeler. Voilà. Donc, c'est lui qui a fait appel de la décision de justice qu'il condamne à 2 ans de prison ou un bracelet électronique. Voilà, d'accord ? Mais donc, quel est le lien avec la négociation ? Le lien, c'est qu'on appelle bien qui on veut. D'accord ? Mais nous, on n'a pas besoin de l'appeler. On trouve tout ce qu'on a à régler que vous n'avez pas réglé. Ce soir, on économise en votant cette délibération 2 millions d'euros que la ville devait. Et à la place, on aura un bâtiment refait et une résidence d'étudiants. C'est ça la délibération. Voilà, c'est tout. Monsieur Renard. Oui, je crois, monsieur le maire, que vous avez dit l'essentiel. Moi, dans cette affaire, je m'en tiens aux faits. Quand vous dites, par exemple, que c'était une bonne décision de quitter le Darblay, j'en suis d'accord. Je l'ai déjà dit ici, c'est un fait. Ça fait économiser de l'argent d'avoir quitté le Darblay. Quand il y a une bonne décision qui a été prise par la précédente équipe, moi je la reconnais. Bon, dans ce que vous avez dit, je précise 2-3 choses. Vous parlez d'un accord pour faire une résidence. Moi je n'ai aucun dossier, aucun projet d'accord. Nous n'avons aucune information là-dessus. Je ne dis pas que ça n'a pas existé. Je dis que nous n'en avons aucune trace. Nous nous sommes retrouvés face à la société Tour Eiffel et avec sa demande. Alors maintenant, en ce qui concerne l'aspect juridique, bien entendu qu'on a envisagé d'aller au bout, mais on a consulté nos avocats et notre service juridique. La remise en état des locaux, elle est exigible en droit, même si la destination du bâtiment change. C'est comme ça dans la loi. D'autre part, notre contestation sur les loyers, elle était très difficile à faire valoir. Ça se basait sur le fait qu'on ne pouvait pas rentrer dans un bâtiment sans passer par l'autre. Mais tout ça était très aléatoire et nous avons écouté nos avocats et notre service juridique. C'est la raison pour laquelle je pense honnêtement que l'accord qui vous est présenté est vraiment un bon accord. Bien sûr, je l'ai dit, on aurait préféré ne pas avoir à payer 300 000 euros. Mais j'estime que ça a été correctement
négocié. Et d'autre part, comme l'a dit Monsieur le maire, l'issue par la voie juridique est vraiment, je pense qu'on n'aurait pas eu gain de cause. Et même si on l'avait eu, c'est au bout d'un long temps. Et pendant ce temps-là, rien ne se serait passé. Et je pense que c'est l'intérêt des Corbeil-Essonnois que ce bâtiment ne reste pas vide, qu'il devienne rapidement une résidence étudiante et qu'il contribue à la revitalisation du centre-ville. Donc franchement, on aurait échoué dans cette affaire, je comprendrais qu'on nous critique. On a là un accord vraiment qui est favorable à la municipalité. On avait d'ailleurs provisionné un peu plus que cette somme dans le budget, preuve qu'on avait bien l'idée d'une négociation réussie et qu'on l'avait correctement évalué ce qui devait se passer. Donc je pense vraiment, et je maintiens, et ça me paraît quand même très clair, la Cour des comptes, elle n'a jamais évalué la décision qui a été prise de résilier un bail à une date où il n'était pas résiliable. C'est pas vrai, ça. Elle a évalué d'autres choses. Et je reconnais sa décision, mais elle n'a pas évalué ça. Et moi, je maintiens, pour terminer, qu'il s'agissait d'une erreur. Quand on résilie un bail alors qu'il n'est pas résiliable, on commet une erreur de gestion. C'est pas un crime, tout le monde peut le faire. Et bien, en l'occurrence, M. Bechter l'a faite, cette erreur. Si vous voulez bien, on va passer au vote. Oui, vas-y. Donc. Non, mais. Ah bon, oui, on est désolé. Oui. Remarque complémentaire nécessaire. Monsieur Renard, vous venez de dire, vous n'avez aucune preuve, aucun engagement que ce bâtiment sera transformé en résidence étudiante. Non, c'est pas ça qu'il a dit à l'instant. C'est pas ça qu'il a dit. Il a dit qu'il n'a rien trouvé. Ah non, je me suis peut-être mal exprimé. Alors, mes excuses si je me suis mal exprimé. Non. Je dis que le projet dont parle Madame Ketfi, qui a sans doute existé, si M. Bechter en parle, je ne nie pas ça. Je dis que nous n'avons aucune trace d'un projet d'accord. Et je crois que c'est clair, on n'a pas de résidence d'étudiants. Voilà. Nous n'avons pas de dossier. Mais nous voulons, et nous ferons tout pour que ce soit une résidence étudiante. C'est bien notre décision. Quoi qu'il en soit, donc, moi, ce que je constate finalement dans votre exposé, je vous parle de ce qui est écrit. Oui. C'est qu'en fait, donc, en échange de l'abandon du contentieux ville. Tour Eiffel, enfin société de la Tour Eiffel. Donc vous permettez, en clair c'est ça, vous permettez à la société la Tour Eiffel de vendre à Séquence 3 millions d'euros ce bâtiment. Bien, 3 millions d'euros c'est l'ensemble du bâtiment, les deux d'Arblay. Donc moi je trouve que en tout cas vous allez me dire mais Monsieur Bell vous êtes schizophrène etc. Moi je pense que l'affaire du Darblay, c'est absolument pas une bonne affaire. On s'est engagé, du Darblay, du nouveau bâtiment, du NCA, je veux dire. On s'est engagé pour 25 ans dans un truc qui vaut 30 millions. Et la preuve est faite qu'on aurait pu récupérer ce bâtiment pour 3 millions d'euros. Exactement. C'est ce qu'on disait. Exactement. C'est ce que nous disions à l'époque à Maître Jean-Pierre et qui n'écoutait pas. Comme il n'écoutait pas qu'on voulait des parkings sous l'immeuble Jouiteau, comme il n'écoutait pas qu'on ne voulait pas de 1200 logements sur Hélio Corbeil, ce qui nous a mené à nous positionner pour les élections municipales de 2020. Donc voilà, je le constate là, donc je voulais faire cette remarque quand même, et je fais donc la remarque ultime, c'est que une fois de plus, donc, ce plan ne nous dit pas ce qu'il va y avoir en échange, enfin, ce que la société Séquence va faire. Donc moi, je suis enclin à vous faire confiance quand j'entends M. Piriou nous dire que ça va être du logement étudiant et que du logement étudiant. C'est ce que vous nous dites. Je répétais le moi pour que je sois bien sûr. C'est 90% du logement étudiant, s'il y a après deux, trois logements. Ah, non, mais attendez, c'est une résidence d'étudiants. C'est très important. Pourquoi c'est très important, monsieur? Merci.
Nous avons déjà fait des expériences de logements étudiants. Il y a un immeuble sur le bord de la Nationale 7 qui était censé être un immeuble de logement étudiant. Et ça s'est transformé en un immeuble de logement jeunes travailleurs, soi-disant, et puis ensuite de logement mère de famille monoparentale, ayant des difficultés, n'arrivant pas à trouver du logement ailleurs, etc. Et ça s'est transformé en ce qu'il y a de pire, en ce qu'il y a de pire à Corbeil-Essonnes. Donc 80% pour moi c'est pas bon, 90% c'est pas bon. Donc ce qui m'intéresse c'est de savoir s'il y a une convention effective qui va être montée avec les universités du coin, avec la fac de l'école d'infirmières. L'école d'infirmières, c'est très bien si c'est le cas. Moi là évidemment nous sommes pour. Donc ça dépend de vous, monsieur. Exactement. Le maire. Nous sommes d'accord. Tout à fait. Ça dépend de la décision que vous prendrez d'autoriser, et d'ailleurs il faudra le faire voter ici, d'autoriser ou non la mutation du bâtiment de bureau actuel en autre chose. On est d'accord. Bien. Et je partage la remarque de Jean-François Bell. Votre ami Jean-Pierre Bechter et l'ancienne municipalité n'ont pas réussi à négocier 3 millions d'euros. Ce que une société séquence a fait, et aujourd'hui, c'est, je ne voudrais pas dire de bêtises, le NCA, ça va nous coûter combien en total? 32 millions d'euros, pour 3. C'est ça la réalité, d'accord? Donc je vous propose maintenant qu'on avance. Et 800 000 euros d'économie par an. Non, mais d'accord. Non. Il faut le dire. Attendez. Aussi. Mais moi j'entends madame, ce qu'on dit. Fille, on l'a attendez, dit. On va pas refaire dit, tous les débats. Il faut attendez, tout dire. Qui a fait le Darblay avec, à l'époque, c'était, comment il s'appelait, l'entreprise privée qui a fait le Darblay, c'est Serge Dassault, je suis désolé, vous étiez déjà, un soutien, d'accord, c'est Serge Dassault qui a fait le Darblay avec un bail complètement improbable, qui fait qu'on payait, je crois, 1 million d'euros de location par an pour, au bout du bout, 19 ans, ne pas être propriétaire. Donc, Jean-Pierre Bechter, qui conseillait déjà Serge Dassault à l'époque, a contribué à faire ça, la société Leichter, je crois. Et au bout du bout, on repart pour 30 ans avec un partenariat public-privé. Qui peut penser que ce soit une bonne opération? Donc au total, qu'on en sorte, mais l'idéal aurait été d'acheter pour 3 millions d'euros le bâtiment, le Darblay, et on économisait 25 millions d'euros. Bon, Jean-Pierre Bechter n'a pas su faire ça. Ben, voilà. Probablement. D'autres l'ont fait. Je ne dénie pas bon, ça. Ce que je dis, c'est qu'il y a une opération certes coûteuse, mais il faut aussi rappeler qu'il y a 800 000 euros d'économie pour la ville tous les ans. Je pense que ce sont des faits et que c'est important de le dire. Non, mais attendez, je crois que tout le monde aura compris l'économie de cette affaire. En tout état de cause, nous, on arrive, il y aura une résidence d'étudiants. Et je dis même, je prends les devants, je pense, Jean-François, avec l'évolution de notre politique universitaire, de notre politique d'accueil d'école à Corbeil-Essonnes, nous sommes en train de réfléchir à avoir d'autres endroits qui pourraient accueillir d'autres étudiants. Donc, je ne suis pas inquiet. Oui. Nous en voudrions, monsieur le maire. Oui, bien sûr. Si ça n'est... Voilà, moi je souhaite que tu... continue à être heureux avec nous. Et donc, je propose qu'on vote pour voir qui est d'accord. Alors donc, si vous voulez bien, après ce débat, passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Donc, cette résolution est adoptée. Merci, monsieur Renard, pour votre travail. Celui de l'administration dans lequel les uns les autres nous ne serons rien. J'en profite peut-être à cet instant, parce que nous avons une DG au complet, je représente M. Hassène Alouache, ici présent, donc qui est DGA, Gisèle Arthur, qui nous a aidés, entre autres, avec ses services juridiques que je salue sur ce dossier, Étienne Quinchez, le directeur général des services, Anne Albertini, qui est la DGA Culture, Affaires scolaires, Petite Enfance, et Martine Deprin, qui vient d'arriver, qui est la dernière au bout là-bas, tu peux lever la main, coucou,
voilà, qui va s'occuper notamment d'aménagement et d'urbanisme et aussi de suivi de nos services techniques. Voilà. Nous avons une DGA au complet, 4 qui n'existaient pas avant quand nous sommes arrivés, et aujourd'hui une direction générale au complet, et je les remercie parce qu'ils ont du boulot. Voilà. Madame Louze, c'est à vous. Bonsoir. Donc ici, nous allons présenter l'acquisition en VFA par Milinvi Habitat de 60 logements situés au 1 et 3 impasse Jean-Guillaume Écrevisse à Corbeil-Essonnes. On a octroi de garantie d'emprunt auprès de la Caisse des dépôts et consignations, approbation de la convention de gestion de la garantie communale avec réservation de 12 logements. Donc il est proposé au conseil municipal d'accorder sa garantie totale pour le remboursement d'un emprunt de 7 309 355 euros contracté par Milinvi Habitat auprès de la Caisse des dépôts et consignations pour l'acquisition en VFA de 60 logements situés 1 et 3 impasse Jean-Guillaume Écrevisse à Corbeil-Essonnes et d'approuver la convention de gestion de la garantie d'emprunt avec réservation de 12 logements au profit de la commune de Corbeil. Y a-t-il des questions ? Merci. Oui, monsieur Bell. Donc voilà, voilà, donc on ne va pas vous parler du principe des garanties d'emprunt avec la nécessité pour les collectivités de couvrir ces garanties d'emprunt afin que les taux d'intérêt soient faibles et que les loyers soient faibles derrière, enfin, etc. C'est tout le système de HLM qui existe. Non, ce qui est extrêmement contrariant, c'est en fait le fait que donc de plus en plus on prévoit des constructions d'immeubles traditionnels, on nous les vend comme des immeubles traditionnels, et ces immeubles sont vendus en bloc à une HLM qui n'a pas dit son nom au départ, qui n'a pas annoncé le fait qu'elle serait propriétaire, et qui fait qu'un secteur qui était initialement prévu en accession à la propriété ou en bailleur non social, eh bien, se retrouve en bailleur social. Donc nous connaissons tous le pourcentage de logement social qu'il y a à Corbeil-Essonnes. Il est de toute façon trop élevé comparé au taux légal obligatoire dans chaque commune aujourd'hui et en particulier au taux et à la réalité de ce taux aux alentours de Corbeil-Essonnes. Donc notre objectif a toujours été de faire baisser le pourcentage de logement social, soit en espérant la diminution de ce même logement social, soit en augmentant la part de logement non social, d'où la construction de 10 000 logements dans les 25 ans qui ont précédé, qui a permis de faire diminuer ce fameux taux de logement social de 40. Je crois ne pas me tromper en disant qu'on était à 46% quand on est arrivé en 95 et que vous devez être aujourd'hui à 35-36%, 37 peut-être. Donc le problème, c'est de ne pas faire remonter ce taux. Il faut se rappeler qu'entre-temps, les communes comme Soisy, Saint-Germain, Villabé, qui courent après CHLM, ou même des villes plus importantes, ont l'obligation de faire 25% de logement social. Laissons-les faire, laissons-les atteindre ces niveaux. On n'a pas besoin, nous, d'augmenter notre niveau. On a déjà largement satisfait à la règle, même si demain le gouvernement fait passer le taux à 30%, ce qui est dans les cartons. On sera de toute façon au-dessus. Voilà, donc arrêtons avec ça. Donc c'est la raison pour laquelle, une fois de plus, on vote contre. On a échappé. On a échappé. Un instant, madame, je termine. L'immeuble Jouiteau du tribunal, hormis le fait que nous étions absolument opposés. Hormis le fait que nous étions opposés à la disparition du parking, pour lequel je vous félicite d'avoir récupéré le pognon qu'il avait économisé. Donc,
Hormis cela, l'immeuble devait être vendu en bloc. Et quand les immeubles sont vendus en bloc, on sait que c'est à des sociétés qui vont faire du logement social. Du logement social direct, sous forme de société HLM, ou du logement indirect, sous forme de PLAI, enfin bon, je ne sais plus exactement quels sont les termes. Donc je voudrais savoir d'ailleurs, comme vous nous avez dit dans un précédent conseil, que ça ne serait plus vendu en bloc, mais vendu individuellement. Est-ce que dans votre négociation pour récupérer les 500 000 euros dont vous nous avez parlé de compensation parking, est-ce que vous avez conservé l'interdiction de vendre en bloc que vous nous aviez annoncé lors du précédent conseil, ou est-ce qu'on va se retrouver pour cet îlot avec un acheteur en bloc qui va louer en HLM en plein centre-ville? Merci de me répondre. Et pour ne pas revenir sur le sujet, nous voterons contre ce point. D'accord. Réponse rapide. Nous avons à la fois permis le redémarrage des travaux qu'avait sur le tribunal, ça permet d'informer les Corbeil-Essonnois, à la fois effectivement en récupérant, alors que le permis de construire, tout ça avait été accordé, hein, c'est quand même une prouesse parce que il a fallu là encore négocier, donc vous êtes une troisième fois heureux ce soir, on a récupéré 500 000 euros pour des parkings et on a fait, tout avait été vendu en bloc, était en train d'être vendu en bloc à Inly, effectivement, donc ça devenait en gros de la location. On a réduit le pourcentage, je vous redirai exactement, en tout cas il y a moins d'appartements, on a exigé que des appartements soient vendus en direct et plus donc en bloc. Et j'ai revu M. Jouiteau depuis, il a quasiment tout vendu, ce qui était à l'unité. Et il n'en revenait pas, ce qui veut dire que d'ailleurs notre ville redevient déjà attractive, puisque quand il refuse de vendre à l'unité, c'est parce qu'il a peur de ne pas réussir à les vendre, d'accord ? Et donc il vend tout en bloc, à Inly, comme ça a été fait d'ailleurs rue Saint-Spire, hein, pour une part. Exactement, c'est l'attraction de la nouvelle municipalité. Et d'ailleurs, je vous annonce que je vais recevoir les principaux directeurs des agences immobilières de la ville, parce que voilà, il y a un débat avec eux passionnant. Il n'y a quasiment plus un pavillon à vendre à Corbeil-Essonnes, etc. Et donc, on veut bien comprendre le mouvement de population dont on pourrait bénéficier à Corbeil-Essonnes, non pas pour montrer du doigt le logement social. En tout cas, on est nombreux ici à avoir commencé notre vie d'adulte. Et heureusement qu'il y a du logement social, il s'agit d'accueillir à Corbeil-Essonnes toutes les populations. Celles et ceux qui vivent en logement social, et ce n'est pas indigne de vivre en logement social, d'accord ? Et celles et ceux qui peuvent se permettre d'acquérir un bien, et voilà. Donc on veut accueillir tout le monde, voilà, une mixité que vous n'avez pas bien réussi à faire, même si vous étiez responsable de rien, mais voilà, mais quand même... Nous, c'est le pari qu'on veut réussir. D'accord ? Voilà, on passe au vote, Sophia. Alors, qui est contre ? Vous ? Vous aussi ? D'accord. Qui s'abstient ? Les autres sont pour ? Merci. Ah, très bien. Merci, Sophia. Monsieur Piau, il est sorti. On va le chercher. En attendant, Monsieur Bourges. Oui, bonsoir. Donc le point 7.1 sur la prime 2020, le complément. Il s'agit donc là d'acter par une délibération, par votre vote, l'attribution d'un complément, ce qu'on appelle sur le régime indemnitaire, au titre de la prime 2020. C'est un montant forfaitaire qui est fixé pour un temps complet à 200 euros brut par agent, selon des modalités précisées dans la délibération que vous avez eue. Donc, cette prime serait versée donc, sur la paye là de mai. L'avis du comité technique a été favorable, qui s'est réuni notamment sur ce sujet. Voilà, est-ce que vous avez des remarques particulières sur cette prime 2020 qui est liée en fonction des résultats obtenus en fin d'année? Voilà, qui a des questions ou des remarques sur ce point? Thank you.
Une remarque, donc c'est très bien pour le personnel, mais on est un petit peu surpris du montant de la prime. On pensait qu'elle allait être plus élevée dans la mesure où, monsieur le maire, lorsque vous étiez dans l'opposition, vous n'avez cessé de défendre les salariés de la ville en demandant qu'ils aient des primes plus importantes. C'est vrai que les primes, vous vous en êtes octroyé une forte augmentation en début de mandat, donc il reste peut-être un peu moins d'argent pour les salariés. Donc cette prime 2000, ce qu'on appelle 2020, c'est-à-dire que c'est sur l'année de 2020, donc versée sur l'année 2021, donc a été instituée en 2000, qui s'appelait qui était le principe d'une prime d'évaluation, qui d'ailleurs le montant était beaucoup plus important que ce qu'il n'est aujourd'hui, et donc qui a effectivement été concrétisée en 2004 sous l'appellation prime d'évaluation, qui s'est transformée en 2007 sous résultat budgétaire obtenu en fin d'année en principe de la réussite collective. Le montant est inchangé ces dernières années. Elle sera intégrée, cette prime, j'anticipe un peu les discussions que nous aurons avec les organisations syndicales et les représentants du personnel, mais elle sera intégrée donc dans le nouveau régime indemnitaire, et donc l'ensemble de ces primes et de ces indemnités seront donc rediscutées. Et nul doute qu'à cette occasion-là, la discussion que nous aurons avec les agents et l'ensemble des organisations syndicales et des représentants du personnel nous amèneront à repréciser les choses, à donner des éléments de cohérence, parce que là, on est effectivement sur une prime de forfaitaire égalitaire, si je puis dire, mais on a dans l'ensemble du régime indemnitaire des primes qui sont actuellement mises en œuvre, où il y a encore beaucoup de disparités. Il y a besoin des éléments de cohérence, de clarté, de transparence pour l'ensemble du personnel communal. Donc c'est un gros chantier qui est en cours. On a pris un peu de retard compte tenu de la période effectivement Covid, et aussi de permettre à l'ensemble de l'administration générale de prendre position. Et donc dans les prochains mois, on sera amené effectivement à pouvoir aller plus avant et concrétiser, je pense d'ici la fin de l'année, pour une application au 1er janvier sur l'ensemble de l'année civile à partir de 2022. Donc il y a d'autres remarques ou questions ? Qui est contre cette prime versée en 2021 ? Qui s'abstient ? Tout le monde est favorable ? Merci à vous. Donc le point 7.2 qui concerne donc la création de postes liés à un accroissement saisonnier d'activité. Donc c'est un peu classique, si je puis dire, hein, tous les ans avec des variations suivant les années et les activités. Les secteurs, comme vous l'avez vu, qui sont concernés, c'est le secteur jeunesse, espace vert, propreté urbaine, quelques appoints sur ressources humaines et un secteur, conformément à ce qui est donné dans la notice, une réévaluation, c'est le cas entre le moment où ça a été imprimé et maintenant. Il y aurait aussi quelques besoins sur la logistique, notamment liés à la période entre juin et septembre, qui peuvent être liés aux élections. Ça ne marche pas bien. Merci. Merci à vous. Donc, qui sont liés notamment aux deux élections de fin juin, les initiatives là, qui reprennent, on espère qu'avec une grande réussite fin juin, juillet, août, et puis également la création ou l'ouverture de classes qui nécessite aussi un certain nombre de réaménagements juin, juillet, août, qui amène notamment à ce type de renfort. Donc on a opté plutôt sur une définition, c'est ce que vous voyez apparaître sur la colonne de droite, l'équivalent en nombre de mois, c'est-à-dire qu'on a plutôt une approche sur la période des trois mois qui viennent sur un volume de mois d'activité. Après, il y a une certaine latitude pour les directions de services, évidemment en coordination avec la direction générale des services et la direction des ressources humaines, afin de pouvoir effectivement donner une certaine latitude et une certaine respiration pour une gestion plus proche du terrain par l'ensemble de ces directions de services. Voilà sur ces postes. Donc vous avez en nombre de personnes à peu près, parce que là c'est en nombre de mois, 21, 27, 28, ce sera une trentaine de personnes. Il y a d'ores et déjà à peu près 60 personnes qui ont postulé spécifiquement sur ces postes-là. Donc effectivement, on sera amené, je pense, dans la première quinzaine de juin à relancer de l'information pour que l'ensemble des postulants puissent postuler, y compris
des personnes de la ville. Il y aura besoin ensuite de faire un arbitrage, de faire des choix en fonction des profils, des demandes qui sont faites spécifiques dans les services d'un point de vue des compétences ou des profils un peu particuliers, propreté urbaine ou CTM ou sur jeunesse par rapport à d'éventuels diplômes qu'il faut avoir. Tout ça devrait se faire assez rapidement dans la première quinzaine de juin pour que ce soit opérationnel. Il y aura des premiers besoins, je pense, dans la deuxième quinzaine de juin. Ensuite, ça va se déployer comme ça jusqu'en septembre-octobre. Merci pour ces réponses complètes. D'autres remarques ? Monsieur Breton ? Une question. L'Aglophone Tour aura lieu cet été ? Oui. Pas de micro. D'accord. 26 juillet au 1er août. Et il y a toujours des jeunes qui sont recrutés par la communauté d'agglo dans le cadre de l'Agglo Fun Tour ou la ville aussi, comment ça fonctionne du coup cette année ? Si, c'est toujours l'agglo qui recrute particulièrement sur la semaine Agglo Fun Tour. Voilà. Voilà. Madame Ketfi. Juste une précision sur la communication qui sera faite sur ces postes. Si vous pouvez nous en dire un petit peu plus, quels sont les outils qui vont être utilisés et comment vont faire les personnes pour candidater ? Pour l'instant, c'est vrai je l'avais déjà souligné ici, on a une seule voie d'accès pour des questions, y compris d'égalité, d'équité, de transparence, qui est une boîte mail spécifique qui s'appelle recrutement@, je dis ici, y compris pour le public qui peut nous écouter, recrutement@mairie-corbeil-essonne.fr, qui permet en fin de compte de centraliser, d'avoir une base de données unique. Il est bien évident que là, il y a un chassé-croisé qui fait qu'il y a beaucoup de personnel communal qui sollicite directement auprès des RH pour leurs propres enfants, cousins, etc. Enfin bon, il y a les réseautages familiaux. Éventuellement, il y a aussi des services qui ont déjà des contacts comme ça avec des gens, notamment de la ville. C'est vrai qu'il y a besoin de donner un peu plus. C'est pour ça que je soulignais tout à l'heure le fait que de redonner de l'information. La premier élément, je pense que c'est ce qu'on va faire avec le service com, c'est notamment sur le site de la ville, évidemment, à partir dans les prochains jours, de le faire savoir. Il y a besoin de préciser notamment le fait que ce qui n'a pas encore été précisé, c'est-à-dire que est-ce qu'on va vers le fait qu'on privilégie d'abord l'embauche saisonnière sur des personnels et des hommes et des femmes de Corbeil-Essonne. Voilà, donc tous ces éléments-là, je pense que dans les prochains jours, il faut le faire. C'est quasiment, là, la difficulté, ça va être le choix après. Hein. Et donc c'est aussi pour ça qu'il y aura une collégialité de décision. Pour je dirais, l'aspect un peu technique, support technique avec le staff des ressources humaines, les chefs de service de terrain qui, eux, sentent les potentialités, ce qu'il faut faire comme type de profil, et puis après, de pouvoir aussi trancher, quoi. Donc, c'est des vraies questions. Mais il nous a semblé que c'était important. Le bouche-oreille a fonctionné. Il y a des informations qui ont circulé en interne. Mais ça ne suffit pas. Il y a besoin aussi de rendre beaucoup plus public ces éléments-là, même si, de fait, le nombre de postes est quand même relativement limité. Je dirais, c'est quoi ? Ce sera peut-être en tout, sur l'ensemble de la période, allez, maximum 35 ou 40 personnes qui seront concernées. On a besoin aussi de veiller sur les équilibres en termes d'hommes-femmes, d'âge, des différents quartiers. Donc il y a tous ces équilibres à trouver sur lesquels on va travailler. Merci. Madame Touré, vous voulez dire un mot ? Peut-être dire qu'on en parlait justement hier avec Hassan Alouache, qui est le DGA sur les questions de jeunesse, puisque on va faire une communication sur le site un peu plus en évidence. Mais surtout, vous n'êtes pas sans savoir qu'on a donc licencié le directeur jeunesse et sport fin mars, qu'on n'a toujours pas de directeur jeunesse et que surtout sur cette ville, nous n'avons pas de lieu central pour la jeunesse qui existe dans beaucoup de villes, comme un PIGE par exemple, un BIGE, et qui permet souvent d'organiser des événements type job dating, type grosse journée sur les emplois saisonniers. Donc c'est prévu pour l'année prochaine, ça sera mis en place normalement. On va essayer d'avancer, on va consulter les jeunes surtout cette année. C'est important, on en parlera. Mais en tout cas, d'avoir un lieu central dédié à la jeunesse avec une équipe. Voilà, aujourd'hui, on a des effectifs. On a besoin aussi de quelqu'un qui les emmène et qu'on puisse mener une politique jeunesse qui a du sens, y compris en ayant ce type
de mobilisation pour les recruter, pour que tout le monde ait l'information dans tous les quartiers, comme le disait Frédéric, et dans toute la ville. Voilà, on est dessus, on essaye d'avancer. Voilà, merci pour ces réponses complètes. On peut passer au vote. Donc je le fais, Frédéric. Qui est contre cette délibération de création de postes saisonniers? Qui s'abstient? Du côté de M. Bail, 4 abstentions. Et qui est pour? Très bien. Voilà. Merci Frédéric. On revient à M. Pio, 6-1. Oui, merci. Bonsoir à tous. Donc il s'agit de l'attribution du marché public de travaux d'entretien des bâtiments et des équipements communaux. Donc comme vous savez, le patrimoine de la ville de Corbeil est relativement important et la collectivité est tenue d'assurer les travaux d'entretien, de réparation, de mise aux normes nécessaires à la préservation des bâtiments et équipements et à la sécurité des usagers du service public. Donc, compte tenu du coût prévisionnel des prestations d'entretien à réaliser, une procédure d'appel d'offres ouverte a été lancée pour la passation d'un marché public décomposé en 10 lots qui concernent les différents corps d'État du bâtiment, conclu sous forme d'accord cadre à bon de commande. Les caractéristiques principales de chaque lot sont précisées dans la note explicative que vous avez reçue. Il est dès lors proposé au Conseil municipal d'approuver l'attribution du marché public précité aux entreprises dont les offres sont économiquement les plus avantageuses au regard des critères de jugement des offres indiqués dans le règlement de consultation et d'autoriser M. le maire à signer les accords cadres correspondants. Y aurait-il des questions? M. Bail. Oui, on est désolé, mais comme vous le savez, on ne fait pas partie de la commission d'appel d'offres. Nous avons été empêchés il y a un certain temps et donc nous sommes obligés de poser un certain nombre de questions. Et notamment le fait que... Alors j'aimerais savoir dans chaque lot s'il y a eu des entreprises... Vous avez certainement le détail des entreprises avec vous qui ont postulé. Donc on aimerait savoir s'il y a des entreprises de Corbeil-Essonne qui ont postulé. Parce que sur tous ces lots, toutes ces spécialités, démolition, gros œuvres, maçonnerie, enduit, électricité, courant fort, faux plafond, étanchéité, plomberie, menuiserie extérieure, couverture, etc., toutes ces entreprises, toutes ces spécialités sont représentées par des entreprises corbeil-essonnoises. Donc est-ce qu'elles ont postulé? Est-ce qu'elles ont été hors concurrence, etc. Voilà. Dites-nous de quoi il s'agit et voilà, à quelle hauteur, en quel nombre ont-elles postulé? Alors, je n'ai pas le détail exact. Il y a des entreprises de Corbeil qui ont postulé. De mémoire, pas énormément, mais je sais qu'on a eu un petit débat parce que on aurait préféré, bien sûr, favoriser les entreprises de Corbeil-Essonne. Et on a eu un petit débat sur l'entreprise de couverture, parce que voilà, ça s'est joué à pas grand-chose, mais malheureusement, avec les critères du règlement de consultation, ça ne passait pas en premier. Donc, c'est un vrai souci. Nous aussi, on voudrait privilégier donc, les entreprises de Corbeil ou de Grand Paris Sud au minimum. Là, s'il se trouve que c'est des entreprises de l'Île-de-France, il faut qu'on retravaille pour voir de quelle manière on peut favoriser ces entreprises, nos entreprises. Je vous rappelle à nouveau le critère environnemental de distance. Oui, tout à fait. Mais, alors, pour être honnête, ce marché a été lancé avant qu'on arrive. On le passe maintenant. Et on n'a pas tout changé pour ne pas retarder le marché. C'est vous qui l'avez lancé, autrement dit, quoi. Mais on a bien fait passer ce message-là pour tous les nouveaux marchés, pour qu'effectivement, en plus des critères du développement durable, on mette un critère de... Vous m'entendez? Oui. Bon, c'est super, les micros. Il n'y a pas de lot pour la sonorisation, malheureusement. Bon. Donc effectivement, on s'y attelle, comme l'a dit tout à l'heure, je ne sais plus à quelle occasion, pour que tous les nouveaux marchés, il y ait bien ces critères-là.
et pour qu'il pèse le plus possible. Excusez-moi, c'est beaucoup plus rapide de faire un changement de ce type dans les clauses contractuelles d'appel d'offres que de modifier, je sais pas moi, l'opération cœur de ville. Il n'y a pas besoin de 11 mois pour ça. Je pense que c'est vraiment une priorité. Il y a des entreprises qui attendent. Voilà. Oui, je suis d'accord, mais jusqu'à maintenant, je n'avais pas validé les marchés. Et là, je commence à en valider et donc je fais la correction. Je ne fais jamais d'attaque personnelle, rassurez-vous. Pas de souci. Voilà. Alors, merci. Merci Frédéric qui s'abstient pour ce marché, qui est contre. Alors attendez, Madame Garcia. Ouais, abstention. Vous abstenez les quatre ici, les autres vous êtes pour. Tout le monde est pour, à part les quatre du groupe de Jean-François Bell. Merci Frédéric. Haute marché, travaux d'entretien, de grosse réparation de voirie. Voilà, bah écoutez, là, c'est pas pour les bâtiments, mais c'est pour l'espace public, puisqu'il s'agit des travaux d'entretien et de grosse réparation de la voirie communale et de ses annexes. Donc, afin d'assurer la continuité des travaux, un nouveau marché public a été lancé sous la forme d'un accord cadre à bon de commande, donc c'est le même principe que le précédent. Ce marché prévoit notamment de confier aux titulaires les travaux d'entretien, grosse réparation sur les voiries communales et les travaux de création annexes, principalement sur les corps de chaussée, trottoirs, revêtements, mobilier urbain, square et cours d'école. Donc les caractéristiques essentielles du marché sont précisées dans la notice explicative. Il est dès lors proposé au conseil municipal d'approuver l'attribution du marché public précité au groupement d'entreprises terres et urbaines de travaux et d'autoriser Monsieur le maire à signer toutes les pièces nécessaires à la conclusion de l'accord cadre correspondant. Y aurait-il des questions ? Pas de questions. Qui s'abstient ? Non. Ah, juste, pardon. Juste une remarque. Je ne sais pas où c'est. Oui, allez-y. Là. Ah, Jean-Luc, pardon. Je allez-y. Non, pas de questions. Juste une remarque. J'espère que ce marché, ce nouveau marché, permettra de reprendre les travaux d'entretien et de réfection de notre voirie communale qui en a bien besoin. On est bien d'accord, c'est pour ça qu'on le fait. Alors, qui s'abstient ? Alors là, toute la minorité opposition, sauf M. Raymond. Voilà. Qui tout est contre ? Tout le reste. Très bien. Qui est merci. Pour ? Ben, le... tous les autres. Ok, merci. Encore à toi, Frédéric, pour l'entretien et l'exploitation des installations thermiques. Voilà, donc là, c'est pour le fonctionnement des installations de chauffage. Donc, effectivement, c'est l'attribution du marché public d'entretien et d'exploitation des installations thermiques. Donc, afin, bien sûr, de garantir une continuité dans la gestion et la fourniture de combustible des bâtiments communaux, la ville de Corbeil-Essonne a lancé une procédure d'appel d'offres ouvert pour la passation du marché correspondant. Donc, répondant aux besoins de la commune et permettant la fourniture et l'optimisation d'énergie au meilleur coût, ce marché public est conclu à prix global et forfaitaire en lot unique pour une durée de 4 ans ferme à compter du 1er juillet 2021. Ses principales caractéristiques sont développées dans la notice explicative. Il est dès lors proposé au conseil municipal d'approuver l'attribution de ce marché public à l'entreprise Dalkia, agence Habitat et Collectivité, et d'autoriser Monsieur le maire à signer toutes les pièces nécessaires à la conclusion de l'accord cadre correspondant. Y aurait-il des questions ? Monsieur Bell ? Donc, est-ce que l'entreprise Colorine du 6 rue de Tombouctou, dans le 18e à Paris, correspond à notre entreprise Colorine ou est-ce que... Oui. Mais c'est pour quelle... Vous n'êtes pas sur la bonne délibre, là. C'est pour la suivante. J'ai été inattentif. Ouais. Non, pardonnez-moi, donc je retiens ma question, je vous la repose après. Ok, c'est bien ce qui me semblait, j'avais entendu ce nom. Ok. Donc, pas de questions ? Qui s'abstient ? Alors, tout pareil, le même vote que précédent, et le reste est pour. D'accord ? Okay. Je vous remercie. Donc... attribution de plusieurs lots
du marché public relatif à l'approvisionnement en fournitures nécessaires aux travaux de la régie bâtiment. Donc ça, c'est pour les travaux que la ville fait en direct. Donc toujours pareil, le patrimoine étant important, on a aussi besoin d'intervenir en régie directement pour l'entretien du patrimoine et on a besoin de matériaux. Donc on a lancé un accord cadre permettant d'acquérir les fournitures nécessaires aux travaux exécutés par le service communal de la régie qui arrivait à terme et compte tenu du coût prévisionnel des prestations à réaliser, une procédure d'appel d'offres ouvert a été lancée pour la passation d'un marché public décomposé en 8 lots sous la forme d'accord cadre à bon de commande toujours. Les caractéristiques principales de chaque lot sont précisées dans la notice explicative. Les lots numéro 1 et 9 sont infructueux. En effet, l'offre déposée pour le lot numéro 1 est irrégulière et aucune offre n'a été déposée pour le lot numéro 9. Il est dès lors proposé au conseil municipal d'approuver l'attribution des 6 autres lots du marché public précités aux entreprises dont les offres sont économiquement les plus avantageuses au regard des critères de jugement des offres indiqués dans le règlement de consultation et d'autoriser Monsieur le maire à signer les accords cadres correspondants. Y aurait-il des questions ? C'est bon ? Oui. Pardonnez-moi, donc je repose ma question. Colorine. Colorine. Voilà, donc c'est je ne sais pas, l'entreprise de Corbeil-Essonnes est filiale de cette entreprise-là ? Ou est-ce que c'est Colorine Paris qui répond et qui est différente de Colorine Corbeil-Essonnes ? Je pense que c'est une filiale, je n'ai pas de détails, mais pour moi c'était effectivement, l'approvisionnement se faisait à l'agence de Corbeil, mais Si, si, oui. Monsieur Bourges précise. Je confirme, effectivement, l'approvisionnement se fait à Corbeil, qui sont une filiale dont le siège est à Paris. Ok. D'autres questions ? Excusez-moi, je rythme notre affaire, il est 22h30 et on a encore quelques points. Est-ce qu'il y a d'autres questions à poser à M. Piau ? Non, c'est bon. Qui s'abstient ? Voilà, même vote que précédent, tous les autres sont pour. Merci, merci Frédéric. Je vous remercie. Merci Frédéric. Monsieur Noël, plusieurs délibérations. Non, il en manque une. Pardon ? Il manque le 7.3 sur le tableau des effectifs. Le 7.3. Le 7.3, c'est donc la mise à jour du tableau des effectifs. Vas-y. Donc, je vous fais une présentation très rapide parce que le point est assez court, mais c'est important pour la personne concernée parce que c'est la réussite à un examen professionnel de la part d'un agent qui passe donc d'adjoint territorial d'animation à adjoint d'animation principale de deuxième classe, donc ce qui génère la suppression d'un poste d'un côté pour en créer un autre et satisfaire la réussite à cet examen. Voilà, donc cette modification du tableau des effectifs qui vous est proposée. Est-ce qu'il y a des remarques ou précisions ? Monsieur Raymond. Oui, Monsieur Bourges, à chaque conseil municipal que nous abordons les délibérations de mise à jour des effectifs, je vous pose toujours la même question. Qu'en est-il sur l'embauche de nouveaux policiers municipaux ? Et vous me répondez toujours la même chose depuis des mois, que c'est en cours. Avez-vous enfin aujourd'hui avancé sur la question ? Pouvez-vous nous donner un nombre et une date ? Sur le nombre, alors bon, il y aura à un moment donné, quand il y aura une bonne visibilité des choses, une remise à zéro de l'ensemble du tableau des effectifs pour avoir une vision beaucoup plus précise et actualisée. Sur la police municipale, ce qui avait été donné notamment pour le vote du budget et des orientations budgétaires, c'est que, alors je ne l'ai pas exactement en tête, donc je n'ai pas envie de dire une bêtise sur le chiffre, mais que c'était inscrit dans le budget pour 2021 à partir du mois de septembre. Donc il y a déjà un certain nombre de prospects qui sont faits et d'annonces qui vont être faites après l'été. Quoi. Voilà ce que je peux vous dire. Donc je vous confirme en tout cas ce qui avait été précisé, notamment dans les débats sur le budget du mois d'avril. Et je vous repréciserai sur tous les éléments chiffrés de la police municipale, sur l'ensemble du secteur, si vous le souhaitez. Non, juste un petit mot sur la police municipale. Nous souhaitons monter en puissance, d'accord ? Il y a eu des départs,
quand nous sommes arrivés, qui ont été remplacés. On a un peu plus d'ASVP que quand nous sommes arrivés, d'accord ? Et donc c'est un objectif, mais à prendre en compte dans l'ensemble de la masse salariale. Mais voilà, la parole politique, ça compte. Il y aura plus de policiers municipaux dans ce mandat et nous sommes en train d'y travailler. Je les ai reçus tous ce mois dernier pour échanger avec eux. Ils ne font pas un métier facile, notamment parce que depuis 5 ans, il n'y avait plus de stationnement réglementé dans cette ville. Voilà, nous devons être la seule ville de France de 50 000 habitants où il n'y avait pas de stationnement réglementé. Hein. Et on va le remettre, notamment avec une zone bleue qui commence au mois de juin sur la rive droite et qui va être étendue. Et donc voilà, sachez que voilà, pareil, nous étions une ville repère pour des voitures ventouses. Nous avons enlevé, je ne saurais pas dire de bêtises, on fait enlever plus de 100, 150 voitures qui étaient, mais ça coûte cher parce qu'on paye la fourrière, etc. Donc voilà, il y a une politique sérieuse qui est menée pour retrouver de la civilité dans notre ville et de stationnement. Voilà. Et pour ça, il faut une police municipale. Voilà. Donc c'est notre intention. Voilà. Donc qui est pour donc cette modification du tableau des effectifs ? Je suppose qu'il n'y a pas de contre ou d'abstention. Excusez-moi de procéder de la sorte, mais tout le monde est favorable ? Non. Non, alors je vais faire dans l'ordre. Oui. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Donc, côté M. Bayle, abstention. Qui est pour ? Tous les autres. Merci, Frédéric. Merci beaucoup. Merci, Michel Noyer. Oui, il s'agit ce soir de prendre acte du rapport d'activité de Sodexo pour l'année 2020. La Sodexo qui, dans le cadre d'une délégation de services publics, assure la restauration collective des élèves de maternelle, d'élémentaire, du personnel scolaire, des accueils de loisirs, des stages sportifs, des agents municipaux et également assure le portage à domicile. Donc c'est l'année 2020, c'est la quatrième année d'exercice de cette délégation de services publics qui donc était examinée ce soir. Ce rapport d'activité a déjà été présenté à la commission consultative des services publics locaux et a été également présenté à la commission municipale des affaires scolaires, culturelles, jeunesse et sport qui précède le conseil municipal de ce soir. Évidemment, l'année 2020 a été caractérisé par la pandémie du Covid et ses conséquences, en particulier la fermeture, les mesures de confinement, puisque cela a occasionné la fermeture de tous les sites de restauration du 17 mars 2020 au 11 mai 2020. Et puis ensuite, une réouverture de tous les sites pour favoriser au mieux l'accueil des élèves, sans avoir trop de densité d'élèves. Mais il y a eu aussi, à cette période, du 11 mai à la fin de l'année scolaire, un certain absentéisme des élèves. Donc cette activité, ce rapport d'activité est marqué évidemment par une baisse d'activité de la Sodexo. Une première régularisation avait été votée sous la forme d'un avenant lors du conseil municipal du 9 novembre dernier. Et puis ce soir, donc c'est le bilan global de l'année qui vous est présenté. Alors quelques chiffres, et puis après je pourrais éventuellement répondre à des questions. Mais évidemment, il y a eu une baisse très conséquente du nombre de repas fournis en direction des scolaires, une baisse de 28%. 28,43%. Il y a eu par contre une augmentation significative du portage à domicile pendant l'année 2020. Il y a eu une baisse conséquente du nombre de repas fournis au restaurant municipal, moins 34%. Et cela évidemment a des effets sur le bilan qui nous a été présenté. Puisque au regard de l'activité, eh bien, vous savez que la ville anticipe les dépenses de la Sodexo et ensuite la Sodexo régularise en fonction de l'activité déployée.
Et donc l'année 2020 se termine lorsqu'on met bout à bout les acomptes déjà versés par la ville, mais également l'avenant qui a été voté lors du conseil municipal du 9 novembre. Eh bien, l'année 2020 se caractérise par un solde créditeur en faveur de la ville de 184 133,68 euros. Voilà, donc ça c'est le bilan de l'activité. Alors bien sûr, dans ce rapport d'activité, il y a aussi des informations sur les personnels, il y a des informations aussi sur les commissions menus qui se réunissent régulièrement pour faire le point sur les services rendus, sur les remarques qui nous remontent, afin d'essayer, en partenariat donc avec la Sodexo, d'essayer d'améliorer et toujours la qualité du service rendu aux enfants, au personnel. Voilà ce que je peux dire aujourd'hui. Il ne s'agit pas de le voter, de l'approuver, il s'agit de prendre acte. Ce que je peux vous dire aussi, c'est que le rapport d'activité de la Sodexo est validé par la société, le nom m'échappe, Cuisineo, Cantineo, qui valide le rapport d'activité par la Sodexo. Voilà, je peux évidemment répondre à toutes les questions. Monsieur Bell, il y a aussi le représentant. Bon, donc vous ne notez pas d'empoisonnement, d'intoxication alimentaire dans l'année, pas de problème de ce genre. Donc les repas sont correctement servis, le nombre de types de repas servis sont correctement faits. Bon, il n'y a pas de soucis fondamentaux, disons, dans le cadre de cette délégation de services publics. Donc elle va arriver à terme l'an prochain, puisque c'est évidemment ça la question qu'on va vous poser. Donc c'est l'an prochain, à quelle date 31 août 2022, d'accord. Donc la question qui se pose, c'est rentrée scolaire septembre 2022. Est-ce que vous serez passé conformément à vos promesses électorales, à vos engagements électoraux? Est-ce que vous serez passé donc en régie municipale? Et qu'est-ce que vous faites pour... Enfin, où est-ce que vous en êtes dans vos démarches pour préparer ce très lourd dossier, parce que je pense que c'est un très lourd dossier que d'imaginer une régie municipale dans ce domaine si complexe, notamment sur le plan sanitaire. Je peux déjà vous rassurer, Monsieur Bell, non, il n'y a eu aucun empoisonnement dans les cantines de Corbeil-Essonnes. Par contre, tout le monde le sait que la restauration... La nourriture, le repas sont des sujets sensibles et que cela fait l'objet de nombreux débats au sein des familles, au sein des restaurations collectives, au sein de la société. Et donc, Corbeil-Essonnes n'est pas étrangère à ces débats. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, avant de répondre aux questions, oui, dans le programme que nous avons présenté aux électeurs, il y avait la mise en perspective de l'évolution du modèle, oui, la mise en perspective, entre autres, une réflexion sur la régie, le passage en régie municipale, mais tout le monde sait bien que, vous l'avez vous-même dit, c'est très complexe et vous ne trouverez jamais dans les matériels électoraux de notre équipe il y a un an une date précise pour ce passage. Car effectivement, c'est extrêmement complexe. Alors comment maintenant préparons-nous la suite? Depuis le mois de septembre-octobre, nous multiplions les contacts avec des collectivités qui ont des modèles différents. Nous avons été voir nos voisins et amis d'Evry, nous sommes allés à Montreuil, nous sommes allés à Grigny, nous sommes allés à Chelles. Très intéressant ce qui se passe à Chelles. Donc des villes de toutes couleurs politiques, parce que nous voulons le mieux pour Corbeil et nous enrichir de toutes les expériences. Donc nous avons aussi des contacts avec différentes sociétés de prestations, puisque nous sommes dans le cadre pour l'instant d'une délégation de services publics qui arrivera à expiration. Donc il est normal de travailler à tous les possibles.
Et donc, voilà, nous pourrons assez prochainement dire où nous en sommes dans nos contacts, dans nos perspectives. Ce que nous voyons, c'est que, oui, l'année 2020-2021 a été quand même très difficile, j'aurais dû le dire en préalable, parce que les contraintes sanitaires et les interdictions de brassage d'élèves de classes différentes ont dû nous amener à multiplier les services de restauration. Et donc, ça a rendu beaucoup plus difficile le travail pour les personnels de la Sodexo comme les personnels de l'animation. Puisque lorsque l'on passe de 2 à 3 services et que l'on a des contraintes sanitaires fortes, eh bien ça complique le travail. Bon, je referme la parenthèse. Nous espérons que évidemment le contexte sanitaire de septembre sera différent. Mais donc voilà, nous réfléchissons avec beaucoup à l'occasion de très nombreux contacts, et nous voyons bien à chaque fois venir des préoccupations. C'est effectivement valoriser la qualité des repas, valoriser le bio. D'ailleurs, la loi Egalim va l'imposer, hein, quels que soient les modèles de restauration retenus. Valoriser les circuits courts, travailler aux déchets, au tri, mais aussi à leur réutilisation. Et nous travaillons, nous réfléchissons aussi à voir comment les déchets pourraient être utilisés à des fins pédagogiques lorsque des écoles vont s'engager dans des jardins pédagogiques. Voilà, toutes ces réflexions, nous les avons, et elles vont devoir se formaliser assez rapidement maintenant afin d'être prêts au 1er septembre 2022. Voilà, sous quel modèle ? Eh bien, nous verrons le moment venu quel est le modèle qui nous apparaît le plus opportun, le plus efficace, le plus réalisable dans le cadre des contraintes de calendrier qui sont les nôtres. Voilà. Donc, permettez-moi de vous demander des précisions. Donc, sous quel modèle ? Donc, déjà en 2022, en septembre 2022, donc, bon passage en régie, non ? Non, mais attends. Non, je viens de vous dire le contraire. Non. Donc, vous m'avez dit le contraire. Je viens de vous dire que vous ne trouverez aucun. Donc engagement de date dans nos pas matériels électoraux, parce que nous savons que c'est un dossier très complexe. D'accord. Et donc nous réfléchissons pour l'instant. Attendez, je vous réponds. Nous réfléchissons à différents modèles, nous les comparons, nous les mesurons, nous les estimons, et puis le moment venu, vous serez évidemment, nous serons tous à réfléchir collectivement et à prendre les décisions. Donc quoi qu'il en soit, donc en 2022, il va falloir que vous mettiez un modèle en place. En 2022, en septembre 2022, vous allez devoir mettre un modèle en place. Soit on reconduit la délégation de service public qui est existante. Donc Monsieur Sodexo devra, il faut que vous lanciez un appel d'offres normalement pour. Tout à fait. Au jour d'aujourd'hui, on est en délégation de service public, n'est-ce pas ? Bien sûr. Donc une délégation de service public, ça se prépare. Ça se termine en septembre 2022 et ça se prépare normalement 2 ans à l'avance, la transition. Sur le plan administratif, il faut lancer une opération de choix d'un futur délégataire. Soit vous avez choisi de passer en régie dès septembre 2022, soit il faut préparer une succession qui peut être Sodexo succédant à Sodexo ou une autre société qui prenne le relais. Donc les délégations de services publics, ça se prépare longtemps à l'avance, que ça soit dans le domaine de l'eau, dans le domaine de l'alimentation ou pas. Et donc en général, plus de 12 mois avant. Bien. Donc on est dans le moment. Alors nous savons que bien souvent, une délégation de services publics, dans 80% des cas, sont prolongés d'une année ou de quelques mois supplémentaires parce qu'on n'est jamais, prêt. Est-ce que c'est le cas ? C'est-à-dire que est-ce qu'aujourd'hui vous avez déjà, vous êtes déjà dans la perspective de négocier un avenant de prolongation d'une année et demie ? Est-ce que vous avez annoncé la couleur comme vous l'aviez fait lors du conseil du théâtre, le conseil du soir du théâtre où vous aviez fait venir Sodexo en spectateur? Est-ce que vous avez déjà annoncé à Sodexo que quoi qu'il arrive, de toute façon, vous passerez dans un nouveau modèle de gestion? Je vais te répondre, Jean-François.
quand j'ai été élu de l'opposition, j'ai voté contre le passage à la délégation de service public à la Sodexo. Voilà. En général, comme ça, d'un point de vue, voilà, je continue d'être contre. Voilà. Pour des arguments dont tu n'as pas arrêté de parler toute la soirée, faire travailler local, c'est pas le cas. L'environnement, on a 3 camions qui viennent tous les jours de 80 km, etc. Donc c'est, je ne sais pas si de quoi tu étais responsable, mais c'est votre majorité qui a fait ça. Nous, on est contre, d'accord ? En principe. Bon. Donc, on a un engagement politique, c'est d'arriver un jour en régie. Michel l'a dit, personne, on savait, parce qu'on est des gens sérieux, quand nous avons été élus il y a un an, que le marché venait à expiration l'année prochaine, d'accord ? Mais il y a une fin de délégation de service public, c'est ce que je viens de dire, on le savait, d'accord ? Personne n'imagine qu'on puisse passer en régie en 2 ans. Bon, donc, jouons pas à cache-cache, il y aura un nouvel appel d'offres, d'accord ? On travaille. Aujourd'hui, on travaille, donc on ne va pas te dire on n'en sait rien. Voilà. Comment ? On travaille, on verra pour combien de temps, etc. On travaille. Il y a un objectif politique, c'est que nous pensons que ce que mangent nos enfants doit être travaillé en régie publique. Nous, on pense ça. Hein. La même chose pour l'eau. Toi, tu penses le contraire. Voilà. C'est pour ça qu'on n'est pas du même côté de la barrière. Voilà. C'est un choix politique qui n'est pas idéologique. C'est un choix politique. Voilà. On va vous prouver, d'ailleurs, qu'on fera baisser le prix de l'eau à Corbeil-Essonne. C'est un autre débat. On aura l'occasion d'en parler. D'accord ? Pour ce qui est de la restauration, moi, je continue de penser qu'on peut faire public, plus proche, plus bio, avec des cantines plus proches où les enfants vont regarder comment se cuisinent des repas. C'est pas possible aujourd'hui, mais c'est vers ça qu'on va. En attendant, il y a un marché qui arrive à expiration là, une délégation. On travaille à le reproduire. Ce sera pas en régie, puisque c'est impossible en 2 ans, mais c'est l'orientation politique. On n'a pas changé d'avis. Et on va faire en sorte que l'appel d'offres qu'on travaille, y corresponde encore mieux à des critères que nous défendons. Voilà. On en est là. Monsieur Sodexo, vous êtes là ? D'accord ? Donc, ils sont là. Si vous avez des questions à leur poser, vous pouvez. Donc, ce qu'on fait est complètement transparent, limpide, et en tout cas, une position politique claire. Voilà où on en est. Voilà. Donc, on prend acte. C'est ça. Il y avait qui ? Monsieur Picard ? Oui, chers collègues, une petite remarque tout de même, parce que les mots ont une importance. Il ne s'agit pas de promesses électorales. Il s'agit d'engagement politique au sens le plus noble du terme, de chacun des mots, engagement et politique, d'améliorer la qualité de l'ensemble de la chaîne qui concourt à produire les repas pour nos enfants. Alors oui, le bio, la qualité, la proximité, les circuits courts, l'éducation à la santé et au goût, le programme alimentaire territorial pour le produire dans le territoire, tout ça, ce n'est pas quelque chose qui fait d'un claquement de main en 8 mois, mais c'est un engagement de mandat. Et je pense que le mot « engagement de mandat » par rapport à promesse électorale a tout un sens. Et laissez-nous simplement quelques mois pour le faire, tout de même. Et j'ajoute que ça fait partie intégralement, comment dirais-je, de la teinte écologique de notre majorité. Voilà. D'autres questions ? Merci Michel. On prend acte, hein, c'est ça ? Tu continues avec la prochaine délib. Oui. 8-2. 8-2. Pardon. 8-2, elle est là. Oui. Convention de partenariat avec l'Association des paralysés. Oui, d'une convention de partenariat entre la commune de Corbeil-Essonne et l'Association des paralysés de France, afin d'évaluer et accompagner les enfants suivis par le CESAD durant la pause méridienne et scolarisés à l'école élémentaire Paul Langevin à Corbeil-Essonne. Donc depuis 2016, la commune de Corbeil-Essonne s'associe à l'Association des paralysés de France dans le cadre de conventions de partenariat afin que celle-ci assure des activités de loisirs durant la pause méridienne
destinée aux enfants scolarisés en unité locale pour l'inclusion scolaire, les ULIS, à l'école localisée, pardon, à l'école élémentaire Paul Langevin. Par courrier recommandé en date du 17 février 2021, reçu par les services communaux le 5 mars suivant, l'association a fait part de son souhait de résilier la convention conclue le 1er septembre 2017 afin de ne plus assurer ses activités à compter de la fin du préavis prévu à l'article 8 de la dite convention. Désirant toutefois poursuivre l'accompagnement des enfants porteurs d'un handicap physique et déjà suivi par le CESAD APF d'Evry, et afin d'évaluer leur autonomie autour du repas ainsi que de leurs besoins, il est donc proposé de conclure une nouvelle convention de partenariat définissant et encadrant les modalités d'intervention de son personnel. Les deux parties se rapprocheront préalablement pour convenir d'un commun accord d'un calendrier des interventions pour chaque enfant concerné. Voilà, y a-t-il des questions sur cette convention de partenariat, finalement à la demande de l'association ? Ok. Qui s'abstient ? Qui est contre ? Qui est pour ? Donc, merci Michel. Encore toi, des conventions d'objectifs et de financement pour les structures de l'enfance avec la CAF. 8.3. Oui, approbation donc des conventions d'objectifs et de financement 2020-2025 pour la structure de l'enfance et de la caisse d'allocation familiale de l'Essonne. Prestations de services incluant le bonus territoire CTG, ça veut dire contrat territorial global. En effet, en 2020, un nouveau bonus territoire contrat territoire global a été instauré et ouvre droit à des financements complémentaires. Aussi, afin de permettre leur ouverture, la CAF de l'Essonne propose à la commune de conclure de nouvelles conventions pour la période allant du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2025. Ce bonus prend le relais de la prestation de service enfance et jeunesse qui a pris fin le 31 décembre 2019. Voilà. Il est donc proposé au conseil municipal d'approuver les conventions d'objectifs et de financement des prestations de services accueil de loisirs sans hébergement paye scolaire et extrascolaire. Voilà. La CAF a tenu compte à la fois des contraintes liées au Covid et au changement de municipalité pour accorder un délai supplémentaire à la ville. Voilà, donc je mets aux voix. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Donc. Très bien, merci. Unanimité. À toi, Michel, encore. Oui, donc toujours, approbation de la convention tripartite relative à la facturation de frais de restauration scolaire d'un enfant extérieur à la commune de Corbeil-Essonne, scolarisé dans l'unité d'enseignement maternel pour enfants avec autisme, UEMA, située au sein de l'école maternelle Simone Veil. Donc, en partenariat avec le service d'éducation spécialisée et de soins à domicile et l'éducation nationale, la commune a ouvert à la rentrée 2020-2021, une classe appelée Unité d'enseignement maternel pour enfants avec autisme. Et cette structure est localisée au sein de l'école maternelle Simone Veil. Cette classe peut accueillir 7 enfants âgés de 3 à 6 ans atteints d'autisme ou de troubles envahissants du développement. Les 7 places n'étant pas toutes pourvues à l'époque, le CESAD a orienté en 2021, avec accord de la commune, un enfant domicilié de la commune de Ris-Orangis, qui se retrouvait sans structure d'accueil. Dans ce cadre, la mise en place d'une convention est nécessaire entre la commune de Ris-Orangis, dans laquelle est domicilié cet enfant, la société de Sodexo, qui livre le repas, et la commune de Corbeil-Essonne, afin de permettre la facturation des frais de restauration scolaire à la commune de résidence de l'enfant. Il est dès lors proposé au conseil municipal d'approuver la convention tripartite précitée et d'autoriser monsieur le maire à la signer ainsi de tout document qui en serait la suite ou la conséquence. Monsieur Bell. Donc évidemment nous voterons pour cette délibération, mais je profite de cette délibération pour rappeler ma remarque et question lors d'un précédent conseil municipal que j'avais adressé à Michel Noailles au sujet de l'écolage potentiel, donc écolage voulant dire faire payer aux communes d'origine
les frais de scolarité imputés à la ville de Corbeil-Essonnes pour des enfants donc venant de communes extérieures. Et donc je faisais la remarque sur le fait que nos nombreux hôtels sociaux, on parle de 1000 chambres en gros, accueillent donc de nombreuses familles originaires, enfin envoyées par les services sociaux du 93 et du 75, de Paris et de Seine-Saint-Denis, que ces enfants, donc ces familles envoyées dans nos hôtels sociaux ont des enfants et que ces enfants finissent évidemment par aller dans nos écoles, ce qui est tout à fait normal, et que donc nous subissons les contraintes financières liées à ces enfants, alors que nous n'avons aucune recette fiscale liée à, aux parents de ces enfants. Donc, il nous paraissait logique que l'on réclame à la ville de Paris et aux villes du 93 originaires pour ces enfants le service écolage qui correspond à leurs frais de scolarité imputés à la ville de Corbeil-Essonnes. Donc, qu'en est-il ? Avez-vous pu commencer à étudier ce dossier qui nous paraît important ? Suite à votre intervention, je me suis retourné vers le service l'ADASCO. Je n'ai pas, pour à la fois avoir une évaluation quantitative, mais également juridique. Et donc, je vous propose de revenir sur ce sujet lors du conseil municipal prochain. Merci. Pas d'autres questions ? Qui s'abstient ? Qui est contre ? Tout le monde est pour. Merci, Michel. Une dernière délibération, Michel. Oui, donc c'est une approbation de l'avenant numéro 4 à la convention de mise à disposition de locaux scolaires au profit de la SCET et des étables. Dans le cadre de la reprise des activités physiques et sportives à l'extérieur, le président de l'association ASCE Tennis de Table a sollicité la commune afin de bénéficier d'une mise à disposition à titre gratuit des locaux de l'école élémentaire Jules Ferry, le lundi 16h30-17h30, mercredi 13h30-17h30, et des locaux de l'école Steig, le mardi de 16h30 à 17h30, le samedi de 14h à 17h, et le dimanche de 10h à 13h. Il est donc proposé au conseil municipal d'approuver l'avenant numéro 4 à la convention initiale et d'autoriser monsieur le maire ou l'adjoint au maire délégué à le signer. J'imagine que, connaissant tous et toutes la qualité de ce club, l'approbation unanime de cet avenant ne fera pas de doute. Donc, pas d'abstention, pas de compte, tout le monde est pour. Merci Michel. Madame Chourfi, à vous, convention pluriannuelle de coopération entre la commune et le CCAS. Oui, bonsoir. Donc, la présente délibération a pour objet donc d'approuver une convention pluriannuelle de coopération entre la commune de Corbeil-Essonnes et le CCAS pour une période de 2021 à 2023. Alors, pour rappel, le CCAS assume des missions en matière d'aide sociale légale et d'action sociale extra-légale. Au regard des textes, il doit développer une action générale de prévention et de développement social en lien étroit avec les institutions privées et publiques. À cet effet, il bénéficie notamment du concours de la commune. Et il s'agit, par la dite délibération, donc d'approuver la convention proposée, l'objectif de la convention étant de clarifier et de formaliser les liens fonctionnels qui existent entre le CCAS et la commune, et donc de les formaliser dans la convention qui est annexée à la délibération. Y a-t-il des questions ? Monsieur Bell ? Madame Garcia, allez-y. Je m'interroge sur la nécessité de cette convention. C'est quelque chose qui est obligatoire ou c'est une décision Madame Chourfi ? Oui, Madame Garcia, j'allais vous répondre. Merci. Bon. Donc, dans la mesure où les CCAS donc, sont des établissements publics en effet autonomes, mais qu'ils sont tributaires des communes pour exercer leur mission, puisque le président du CCAS est le maire, le vice-président est un élu, qu'ils bénéficient donc
à la fois de moyens matériels et en personnel de la commune. Il est assez logique, et c'est quelque chose qui se fait communément dans plusieurs, dans beaucoup de communes, de conclure une convention de coopération qui précise, l'objet est juste de préciser les relations entre la commune et le CCAS. Donc c'est tout à fait commun, ça se fait dans beaucoup de communes. Voilà. Voilà, c'est d'autres questions? Non, c'est bon. Des abstentions, des contre? Non, tout le monde est pour. Merci. Avant-dernière délibération, Madame Louze. Le micro. Il s'agit d'une délibération pour la mise à disposition d'un local municipal mutualisé au profit de trois associations, donc OSER, Active et Corbeil Project. Dans le cadre du développement de la vie associative à Corbeil-Essonne, il est proposé au conseil municipal d'autoriser la mise à disposition mutualisée à titre gratuit d'un local situé 4 rue Auguste Renoir à Corbeil-Essonne au profit des associations OSER, Active et Corbeil Project, et d'autoriser Monsieur le maire à signer la convention correspondante. Y a-t-il des questions? Qui c'est s'abstient? Bon. Qui est contre? Et qui est pour? Tout le monde. Merci, merci beaucoup. Merci Sophia. Dernière délibération. L'actualisation des gabarits des espaces publicitaires dans le magazine municipal, le nouveau magazine Imagine Corbeil-Essonne. On a changé de format du magazine, vous l'avez remarqué, et on veut actualiser les gabarits des encarts publicitaires à la nouvelle maquette, et donc d'avoir de nouveaux tarifs. Ces tarifs ne seront pas augmentés, et donc voilà, cette délibération nous permet d'adapter nos futurs publicité dans le magazine. Voilà. Oui. Pas de remarques? Si. Pardon? Oui, Jean-Luc. Oui, je profite, monsieur le maire, de cette délibération pour vous féliciter du nouveau format de ce magazine, qui, je pense, est bien plus moderne et plus agréable à feuilleter que le précédent. Concernant les tarifs des emplacements publicitaires, ne serait-il pas judicieux de prévoir une remise de 50% pour les commerçants de notre ville durant quelques mois afin de les soutenir, surtout avec cette sortie de crise sanitaire? On va étudier la question. La nouvelle pagination, elle va nous permettre d'avoir un peu plus d'abord d'établissements qui pourront faire de la publicité. On va étudier s'il peut y avoir un tarif préférentiel, si c'est légal, pourquoi pas. En tout cas, je n'y suis pas opposé. Hein? Ça se pratique dans de nombreuses villes. Hein. On va regarder ça. Aujourd'hui, très peu en bénéficiaient, je crois. Hein? Donc, on va monter en puissance là-dessus. Quoi. D'accord? J'en profite pour dire que on économise quelques dizaines de milliers d'euros dès le mois prochain, puisque ce sont les Corbeil-Essonnois et les Corbeil-Essonnoises qui vont distribuer le magazine. Ça va créer voilà, plus de fraternité, de solidarité avec les habitants de cette ville. Je remercie déjà toutes celles et tous ceux qui sont nombreux, proposés de distribuer dans leur immeuble, dans leur rue, et que, comme on est écoutés ce soir, si on a d'autres qui veulent y participer, ils peuvent joindre le service communication. Voilà, il y avait, excusez-moi, quelques questions. Vous n'étiez pas là, vous les aviez posées, mais vous n'êtes pas venu. On y répond malgré tout, hein, vous êtes d'accord. Est-ce que vous nous épargnez la lecture? Je peux les résumer, mais je peux les lire toutes si vous voulez. Vous posiez la question d'un conseil municipal en distanciel. On a préféré tenir en présentiel la dernière fois, on votait le budget. Je me suis renseigné, personne n'a eu le Covid depuis, donc on a peut-être bien fait. Ça nous a permis d'avoir un échange avec vous qui étiez là sur un vote important, puisque c'était le principal conseil municipal de l'année, puisqu'on votait le budget. Donc vous êtes revenus, donc on va continuer en présentiel. Depuis, beaucoup de gens se sont vaccinés, notamment ici. Je vous proposerai bien, si vous en êtes d'accord, on ne vous imposera rien,
qu'on puisse retourner à l'hôtel de ville pour le prochain conseil. Pourquoi ? D'abord, personne n'est super réjoui d'être à 23h encore ici et de pouvoir le faire quand même un peu plus tôt, dans un délai raisonnable pour que M. Marin puisse nous rejoindre, mais de le faire à l'hôtel de ville. Et sinon, on empêche des personnes de se faire vacciner. C'est pour ça qu'on l'a fait à 20h ce soir. Donc voilà, je vous réponds sans ironie. Voilà, on va refaire du présentiel, tant mieux. Et à l'hôtel de ville qui est fait pour ça, si vous en êtes d'accord, je m'en suis entretenu avec la préfecture, qui en gros, voilà, si tout le monde est d'accord, on le refera là-bas. C'était la première question. L'absence de commission municipale de santé, c'était la deuxième question. Alors, et la difficulté de s'instruire au centre de vaccination. Donc, je regarde la réponse. On n'a pas tenu la commission santé, nous n'avions pas de délibération à voter pour le faire. Toutefois, vous avez raison, rien n'empêche de se réunir, même si on n'a pas de délibération qui concerne cette question. Et donc, on peut à chaque fois provoquer la réunion et débattre des questions de santé. Concernant le centre de vaccination, je voudrais être sûr du nombre. On en est à combien, monsieur ? Combien ? 15 000 ce soir vaccinés. Je crois que si, en tout cas, on a plus pu se vacciner depuis qu'on a un centre que si on n'en avait pas eu. Donc, je redis que cette manifestation que nous avons faite, elle a permis que ce centre soit. On va regarder, mais sur l'ombre, un des plus gros centres de vaccination du département de l'Essonne. On entend beaucoup de personnes satisfaites, en tout cas de l'accueil, etc. S'il y a eu de l'attente, c'est qu'il y a eu beaucoup de demandes et qu'on ne peut pas faire mieux que le Palais des Sports. Donc voilà, plus de 15 000, on va continuer à vacciner jusqu'au mois de décembre, je crois. Hein. Et donc, nous travaillons d'ailleurs, je le dis, à ce qu'à la rentrée de septembre, permettre de donner des informations qu'on débat en ce moment entre nous, on souhaite que les sportifs puissent de nouveau refaire du sport ici. Et donc, on voudrait que le forum des associations et des clubs sportifs puisse se tenir début septembre et que dans les mêmes conditions qu'auparavant, notamment donc ici. Et donc, nous allons travailler ardemment, c'est pas facile, à trouver un autre endroit dans la ville où on puisse vacciner dans d'aussi bonnes conditions d'ici, mais rendre aux sportifs ce lieu. Voilà, c'est vous en savez autant que nous ce à quoi nous travaillons. Vous m'interrogez sur une réunion CTM durant laquelle auraient été proférés des propos racistes. D'abord, voilà, je regrette que des faits qui concernent parfois la vie d'une entreprise, en l'occurrence de la mairie, puissent être sur les réseaux sociaux, mais c'est aujourd'hui, il faut faire avec. Que suite à ces propos qui ont été tenus, une enquête administrative a été diligentée, qui a été menée en respectant toutes les règles. 8 personnes ont été auditionnées et la personne qui a tenu ces propos a été sanctionnée comme il se doit. Et voilà, vous comprendrez qu'en tout cas, chez nous, comme je le crois chez vous, le racisme, les propos racistes n'ont pas lieu d'être nulle part dans notre société et encore moins dans l'enceinte de cette collectivité. Une dernière question sur l'augmentation de la masse salariale de 500 000 euros. Vous dire, c'est ce qu'on a dit d'ailleurs à l'occasion du vote du budget, qu'il y a une augmentation qui est normale, indiciaire des fonctionnaires et liée à leur ancienneté, que la mise en place du RIFSET qui aurait dû pu être mis en œuvre depuis 2014, nous allons devoir la réaliser et que donc ça s'anticipe en termes de masse salariale. Vous nous avez laissé ce cadeau à faire et nous allons le faire, mais vous auriez pu le faire comme la plupart des communes dès 2014 et on va s'y atteler. Que depuis le 1er janvier 2021, la prime de précarité équivalent à 10% du salaire brut s'applique pour nos salariés en CDD dans le contrat n'est pas renouvelé et cela entraîne une dépense supplémentaire importante. Et nous avons pratiqué des embauches. J'en ai présenté donc ce soir un DGS nouveau, 3 DGA et un
budgétiser un DGST. Deux nouveaux directeurs vont nous rejoindre. Je le redis, effectivement, nous avons licencié le directeur de la jeunesse et des sports, et nous allons donc recruter de nouvelles personnes pour diriger des services importants, notamment les sports, la jeunesse et d'autres. Tout ça est budgétisé et entraîne évidemment une dépense supplémentaire que nous assumons en tout cas complètement. Nous avons des cadres de qualité dans cette ville, mais sincèrement, nous en manquons et nous allons aller en recruter de nouveau. Voilà. Écoutez, si vous êtes d'accord, donc on fera hôtel de ville, on fera plus tôt, sincèrement, il est 11h10 et 23h10 et on préférait finir plus tôt. Merci pour la qualité des débats. On se retrouve le 30 juin pour le dernier conseil municipal. A priori, il n'y en aura pas durant l'été. Je râlais quand il s'en tenait le 14 juillet ou le 15 juillet. On ne vous fera pas ça. Donc, ce sera le dernier conseil municipal avant les congés d'été, le 30. Et puis, vous êtes passionné, vous avez bien raison, par le débat du centre-ville. Connectez-vous demain. Vous pourrez intervenir aussi à 18h30 dans l'attente d'avoir des réunions publiques ouvertes à toutes et tous, comme on aime. Merci à vous. Merci au personnel, à la technique, à la retransmission, au réseau. Voilà, merci à vous toutes et tous.